Ok, bienvenue, bienvenue à tout le monde. C'est bon. Oui, bienvenue à tout le monde. Je suis très content euh, de vous inviter euh, à cette conférence, euh, une des premières conférences, grâce à Jean-Marc Jankovici Je pense qu'il y a tellement de monde qui, qui veut euh, l'écouter sur le, le thème de ESG, Economic, Social and Governance. Euh, qui devient euh, très important et surtout euh, très important en ce moment, surtout au niveau euh, dans le domaine où nous nous sommes spécialisés dans les financiers. La BBVA, la Banque espagnole, vient d'émettre une obligation ESG euh, cette semaine. Et puis il y aura beaucoup plus qui, qui va aller. Lui, euh, Jean-Marc Jancovici, va vous expliquer le derrière de ça, il m'a dit déjà, ça va nous coûter à tous beaucoup plus cher qu'on ne pense. mais euh, je, je, je suis très heureux de, de vous accueillir ici et euh, on, on, on attend euh, avec impatience euh, de ce que vous, vous allez nous dire. merci beaucoup. J'espère que ça fonctionne. Euh, bonsoir. Euh, je vais répondre du tac au tac à cette introduction. Euh, J'ai publié il y a trois jours, je crois, dans un quotidien économique français qui s'appelle Les Échos, euh, un, une petite tribune dans lequel j'explique que l'un des signes que on traitera correctement le problème dont je vais vous parler, c'est qu'il sortira de l'ESG. Tant qu'il reste dans l'ESG, on est sûr qu'on le traitera par-dessus la jambe. Euh, comme un truc totalement anecdotique euh, et pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Voilà, donc ça sera un des marqueurs du fait que le problème est pris sérieusement. Euh, la deuxième chose, c'est que je vais faire une déclaration d'intérêt euh, avant cette intervention. Comme vous pouvez le voir, il y a deux logos sur cette, enfin trois même, euh, en haut. Alors, euh, ce que je fais dans la vie quand je ne fais pas des interventions... Euh, je suis associé d'une entreprise qui s'appelle Carbon4, qui est née il y a 13 ans en France et qui tente d'amener le milieu économique à être un peu plus sérieux sur la question climatique. Nous connaissons des heures et des malheurs. Euh, voilà, C'est particulièrement dur avec le monde financier, mais on y reviendra au moment des questions. Euh, la deuxième, on fait à la fois du conseil et de la data, euh, donc on connaît bien votre univers euh, quand on essaye de vous convaincre de nous donner un tout petit peu d'argent pour travailler. Euh, le, la deuxième chose que j'ai faite, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai créé une association d'entreprises qui s'appelle The Ship Project, qui est donc un lobby, une NGO, euh, et qui a vocation à rassembler des acteurs économiques qui considèrent que c'est leur intérêt égoïste qu'on soit plus sérieux sur la question climatique. C'est ça l'idée. Donc j'essaye de faire une collection euh, d'intérêts égoïstes qui se disent Non, non, moi j'ai envie. Parce que, ouais. Dans les deux autres casquettes que j'ai, euh, je suis professeur à Mines ParisTech, qui est un établissement d'enseignement euh, dont euh, j'ai envie de dire quelque chose de pas très très éloigné pour être le PFL où j'étais ce matin, sauf que c'est plus petit, ça, parce que c des, ça a des promotions de 120 élèves. Et enfin, la dernière euh, casquette un peu significative que j'ai, c'est que je suis membre d'une entité administrative qui a été créée par Macron il y a un an et demi. Vous savez, il crée tous les six mois un truc nouveau. Et alors moi, j'étais dans le truc qu'il a créé il y a un an et demi, qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat. Euh, on est censé. L'intérêt de cette instance, euh, très égoïstement, c'est qu'on euh, a accès euh, et on a une réflexion collective sur euh, ce qu'est en train de faire la France en matière d'engagement sur ses émissions de gaz à effet de serre. Je pense que ce qu'on raconte n'est de nul effet euh, sur la politique qui est suivie à court terme. Ça a un petit effet médiatique. Euh, ça permet surtout de prendre un tout petit peu de temps pour se poser et regarder ce qui se passe. Donc je vais vous parler euh, de, de climat et d'énergie. Et en fait, ce que je vais vous dire ce soir, euh, si j'ai pas trop mal réussi mon coup, devrait vous faire un peu mal à la tête, pour deux raisons. Euh, D'abord parce que c'est technique et compliqué, euh, donc il y a plein de trucs sur lesquels je vais être obligé d'aller un peu vite. Mais je le redis, c'est technique et compliqué, c'est bourré de maths, de physique, de biologie, etc. Enfin, tout un tas de trucs qui vous font mal à la tête. Euh, et, la deuxième, euh, et la deuxième chose, c'est que si j'ai pas trop mal réussi mon coup aussi, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un écart absolument monstrueux entre la réalité du problème et la réalité des moyens. Euh, C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train d'aller droit dans le mur en klaxonnant gaiement. Euh, si, euh, je, voilà, je, normalement, vous devriez euh, avoir ces deux conclusions en tête. Euh, ce que je vais vous dire euh, ce soir est un résumé euh, du, cours, je, du cours que je fais à mes élèves des mines, euh, et qui est, c'est le dernier logo que vous avez au milieu, euh, disponible totalement en ligne euh, sur mon site personnel. Euh, vous avez une page sur mon site personnel où vous avez la totalité du cours que je fais aux mines en ligne, euh, sous trois formes, à la fois des enregistrements vidéo, des enregistrements des planches avec le son et euh, des transcriptions écrites. Donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et maintenant, nous allons commencer à rentrer directement dans euh, le vif du sujet. Et le vif du sujet va commencer par ça. Alors, vous avez ici un graphique euh, qui vous donne depuis un siècle et demi euh, les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Alors, quand je dis gaz à effet de serre, euh, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas en tête la définition précise de ce que c'est qu'un gaz à effet de serre. Alors, un gaz à effet de serre est un gaz. Je vais vous donner la définition physique ensuite, et ensuite le traduire en... avec les mains, j'ai envie de dire. Euh, c'est un gaz qui a la capacité, qui va des raies d'absorption dans les infrarouges de grande longueur d'onde émis par la surface planétaire. Voilà, c'est ça un gaz à effet de serre, c'est-à-dire que c'est un gaz qui a la possibilité d'avoir des transitions électroniques. La molécule du gaz a la possibilité d'avoir des transitions électroniques exactement dans les gammes d'énergie des photons qui sont envoyés par la surface planétaire. Voilà, ça c'est la définition qui fait mal à la tête. Alors la définition qui fait un peu moins mal à la tête, c'est qu'on va dire c'est des opacifiants. À l'évacuation de l'énergie de la surface planétaire sous forme de rayonnement infrarouge. C'est des opacifiants à euh, cette évacuation. Le premier gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau, mais les hommes n'ont pas d'influence sur la teneur atmosphérique en vapeur d'eau, pas d'influence directe, parce que la teneur atmosphérique en vapeur d'eau dépend essentiellement de la température de l'air. Sur une planète couverte aux deux tiers d'eau, ça suffit. À conditionner la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère, parce que la Terre est une grosse machine à évaporer. Alors on l'oublie parfois parce que nous, nous habitons assez peu sur l'océan. Euh, mais l'essentiel de la surface planétaire est couverte d'océans, et donc c'est une grosse machine à évaporer. Le deuxième gaz par ordre d'importance, c'est le CO2. Alors là, nous, on contribue aux émissions, on le voit sur ce graphique. Et puis après, il y a d'autres gaz, le méthane, le protoxyde d'azote, etc. La première des, le premier des commentaires que je vais faire sur cette courbe, c'est que si j'avais enlevé ici les dates, et que je vous avais demandé de me mettre n'importe quel euh, comment dire euh, processus qui est parfois avancé comme permettant d'être plus efficace en matière d'émission, vous auriez été incapable de me le mettre. D'accord? Si je vous demande de me mettre sur cette courbe le début des ENR qui, soi disant, permettent d'émettre moins. Vous êtes incapable de me les mettre quelque part en me disant ⁇ Ah bah ça date de là, c'est évident, parce qu'à ce moment-là, les émissions baissent. Euh, ⁇ Et si je vous mets le début des négociations climat, c'est pareil, à quel moment est-ce qu'on a commencé à avoir des négociations climat et ça avait baissé les émissions, euh, tout tout le respect que j'ai pour les Nations Unies euh, qui ont un tout petit bâtiment à Genève, euh, vous auriez été incapable de me le mettre, euh, etc. Et si je vous demande de me mettre, euh, voilà, si, vous, si je vous dis par exemple le digital, la numérisation, la dématérialisation, l'envolée des services dans l'économie, etc. Tous ces trucs qui sont censés faire en sorte que notre économie soit moins prédatrice de l'environnement, vous n'en voyez absolument pas la traduction sur cette courbe. C'est donc que toutes ces affirmations sont fausses. Le digital n'a aucun effet de modération des émissions. Aucun. La tertiarisation de l'économie n'a aucun effet sur la modération des émissions. Aucun. Etc. etc. Et euh, les, quelques, les quelques milliards qu met, ou centaines de milliards qu'on met dans les éoliennes en ce moment n'ont aucun effet sur la modération des émissions. Aucun. Et les green bombes de BBVA non plus. Non, non ça n'a pas d'effet. Euh, mais on y reviendra à la fin. Donc là, vous avez euh, les émissions, de, encore une fois, de gaz à effet de serre dont les hommes sont à l'origine. Il se trouve, euh, autre, autre rappel de physique ou de chimie plus exactement essentiel, que ce premier des gaz à effet de serre, le CO2 ici, est un oxyde. Le CO2, c'est dioxyde de carbone. Donc c'est un oxyde. Il se trouve que la chimie nous dit que les oxydes... Sont des formes moléculaires extrêmement stables sur Terre. C'est-à-dire qu'une fois qu'un élément est sous forme d'oxyde, il faut se lever de bonheur pour qu'il en soit autrement. Et en fait, se lever de bonheur, ça veut dire qu'il faut mettre de l'énergie dans le système il faut apporter de l'énergie au système pour que l'oxygène veuille bien s'en aller. Donc une fois qu'un un élément est sous forme d'oxyde, si vous ne touchez plus à rien, il reste sous forme d'oxyde éternellement. C'est par exemple le cas du fer. Si certains d'entre vous ont des euh, actions ou des obligations euh, dans des mines de fer, eh bien, euh, le fer se trouve sous, sur Terre sous forme d'oxyde, et ça fait des centaines de millions d'années, c'est-à-dire depuis qu'il y a de l'oxygène libre dans l'atmosphère, qu'il est sous forme d'oxyde. Il s'est collé sous forme d'oxyde, mais maintenant il est sous forme d'oxyde okay depuis des centaines de millions d'années, ça ne bouge pas. C'est exactement pareil pour le CO2 qu'on rajoute dans l'atmosphère. Tant que le CO2 est dans l'air, sans contact avec le sol, il est éternel. Il est éternel. Parce qu'il n'y a aucun processus spontané d'épuration du CO2 de l'atmosphère. Le CO2 est totalement inerte. Tant qu'il est dans l'atmosphère. Les deux processus d'épuration du CO2 que nous avons sur Terre sont deux processus, enfin dans l'atmosphère, sont deux processus de contact avec la surface. C'est quand l'atmosphère est en contact avec l'océan, vous avez des équilibrages de concentration respective, on appelle ça des pressions partielles de CO2 entre l'air et l'eau. Et à ce moment, le CO2 est capable de passer de l'air dans l'eau si la pression partielle est supérieure dans l'air. Mais c'est un processus réversible. Si un jour on retire le CO2 de l'atmosphère, à ce moment, une partie du CO2 qui est dans l'océan ressortira pour aller se recoller dans l'atmosphère. Et vous avez un deuxième processus qui est la photosynthèse. Il faut un photon, il faut de l'énergie du soleil. Euh, si vos ados essayent de faire pousser des plantes que je ne nommerai pas dans un placard sans lumière, ça ne marche pas. Donc euh, il faut un apport d'énergie pour que euh, ce processus prenne place. Et à ce moment, la plante se charge de récupérer le CO2, de casser le truc en deux, garde le carbone pour faire du glucose et nous libère gentiment l'oxygène pour qu'on puisse respirer. À cause de ce que je viens de dire, une fois qu'on crée un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce que nous sommes en train de faire, le temps qu'il faut attendre après arrêt des émissions pour que ce surplus s'évacue, c'est plus que les temps historiques. Vous avez ici un graphique, publié il y a des années, hein, qui est connu dans le monde scientifique. Qui vous donne ce qu'il reste d'un surplus de CO2 après arrêt des émissions. Donc, on a créé un surplus de CO2 aujourd'hui. Il y a plus de CO2 dans l'atmosphère qu'avant qu'on commence à faire joujou avec le charbon, puis le pétrole et le gaz. Eh bien, si demain matin, l'humanité arrête ses émissions, au bout d'un siècle, une petite moitié, en fait une moitié, retenez ça, du surplus de CO2 qu'on a créé sera toujours au-dessus de nos têtes, alors pas au-dessus de vos ni des miennes, au-dessus de nos petits-enfants, pour ce qu'il en restera. Au bout d'un millier d'années, entre 20 et 30% de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Et au bout de 10 000 ans, 10% au moins de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est deux conclusions qu'il faut garder en présent à l'esprit. La première, c'est que plus jamais dans l'histoire des hommes, on ne reverra le climat de 1700. Plus jamais. Et par ailleurs, comme tant qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y a une opacification de l'atmosphère qui augmente la quantité d'énergie contenue dans le système, plus jamais dans l'histoire enfin des hommes, il n'y aura un climat stable. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la dérive climatique est une donnée structurelle dans le monde dans lequel on vit. Le climat sera différent dans 20 ans de ce qu'il est aujourd'hui, différent dans 40 de ce qu'il est dans 20 ans, etc. Je vous rappelle que nos sociétés se sont sédentarisées parce que pendant 10 000 ans, depuis la fin de la dernière glaciation, le climat planétaire a été remarquablement stable. Et donc on a pu adapter au climat local les habitations, l'agriculture, etc. Manifestement, l'agriculture suisse n'est pas l'agriculture marocaine, et manifestement, les habitations suisses ne sont pas les habitations marocaines. Et ça, on le doit au fait que nos générations, les gens qui nous ont précédés, ont pu génération après génération perfectionner les conditions dans lesquelles ils s'adaptaient à, à, à un environnement extérieur qui, lui, ne variait pas. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que l'environnement extérieur va varier en permanence en permanence. Ce que nous sommes en train de voir en ce moment comme incendie dans le monde, c'est que le début des conséquences qui vont venir avec le changement climatique. C'est juste le début. D'accord C'est juste le début. Alors bien évidemment, je vais, je vais vous parler un peu des conséquences. Hein. Bien évidemment, euh, un des problèmes que nous avons avec ça, et vous le connaissez très bien dans le monde dans lequel vous vivez, c'est que les pas de temps du problème que nous avons à traiter, non seulement dépassent une ou plusieurs vies humaines, mais dépasse de très très loin les horizons qui sont les vôtres et qui sont les miens dans la gestion de, on va dire, de la société et de l'économie. Euh, dans le monde politique, euh, un horizon de long terme, c'est trois ans, c'est-à-dire le temps que vous commenciez à penser à la prochaine élection euh, à deux ans de la fin de votre mandat. Et dans le monde qui est le vôtre, le long terme se balade entre quelques nanosecondes et un an quand on a de la chance. On est juste totalement à l'ouest sur les horizons de temps qu'on est en train de prendre en considération. Pour gérer ce problème. Donc, la seule conclusion absolument certaine, c'est que tant qu'on reste avec des horizons de temps de cette, de, 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 de cette nature, on est absolument sûr qu'on ne fera rien de sérieux. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le monde financier, les premiers à s'être intéressés à la question ont été les fonds de pension, parce que c'est les seuls qui ont un horizon de temps un peu long. D'accord Give me my money back dans 20 ou 30 ans. Bon, du coup, il faut quand même qu'ils y réfléchissent un peu. Euh, mais après, dès qu'ils donnent un mandat à un asset manager, lui, il réfléchit à l'année. Parce que c'est euh, combien tu vas ramener de pognon dans l'année, puis si c'est n'est pas assez, je te change. Euh, donc, le, le, on a vraiment un, un problème. Et dans les sociétés avec lesquelles je travaille, je le dis publiquement, je peux vous le dire, euh, ça ne m'empêche pas d'avoir quelques clients. Euh, les, dans toute société cotée, voilà, les, les, la stratégie long terme, c'est 3 ans les bonnes années, 6 mois les mauvaises. Quoi. Donc, euh, c'est évident qu'on est, encore une fois, en décalage complet. Avec le problème que nous avons à traiter. Alors cette euh, accumulation, enfin les émissions conduisent à une accumulation de CO2 dans l'air à cause de cette très longue durée de vie. Et là, vous voyez la quantité de CO2 dans l'air mesurée en millilitres par mètre cube. On appelle ça des parties par million. Et euh, vous voyez par exemple une expérience qu'on fait qui consiste à avoir des réunions internationales. Alors vous voyez l'effet que ça a sur euh, la variation de la concentration. Euh, ça ne sert à rien. Ou plus exactement, ça ne sert à rien de disruptif. Ce qui se passera dans les enceintes internationales, c'est juste d'entériner ce que les pays sont déjà prêts à faire. Jamais ces enceintes-là ne feront naître quelque chose de nouveau. Ils enterrinons euh, ce, ce qui a déjà été décidé ailleurs. Alors, cette opacification euh, de l'atmosphère au rayonnement émis par la Terre a notamment pour effet que la température d'équilibre au sol augmente. En gros, on reçoit sur Terre de l'énergie du Soleil. Cette énergie passe pour l'essentiel à travers l'atmosphère, puisque l'air est transparent à la lumière, c'est la raison pour laquelle j'arrive à vous voir, sinon s'il y avait un mur opaque à la lumière, je ne vous verrais pas bien. Euh, et euh, une fois que cette énergie solaire est parvenue au sol, elle chauffe le sol, et le sol, entre autres choses, va émettre de l'infrarouge, parce que c'est comme ça qu'un corps à la température du sol se débarrasse de son énergie, hein, rayonne de l'infrarouge. Et à ce moment, cet infrarouge, lui, a envie de repartir vers l'espace. Sauf que dans l'atmosphère, il y a des gaz qui l'interceptent, qui absorbent ces infrarouges. Et c'est ça, ça, les gaz à effet de serre. Et plus vous rajoutez de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et plus l'absorption des infrarouges près de la surface planétaire est efficace, et donc plus ça confine l'énergie près du sol. Donc, euh, augmenter les, les gaz à effet de serre augmente la température d'équilibre au sol. Ici, vous avez une courbe qui vous donne euh, par rapport à euh, il y a un siècle. Euh, la façon dont euh, la température est en train d'augmenter, enfin même plus d'un siècle, la façon dont la température est en train de se comporter. Alors vous voyez que jusqu'à aujourd'hui elle a déjà augmenté. Alors on a pris un degré. À un degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie, enfin non, pour le moment ils sont qu'à euh, 3, qui crament en Californie, euh, plus etc. Juste un. Hein. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille pas parce que ce n'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées. Quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. Quoi que nous fassions. Donc, à partir du moment où on commence à s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour dans 20 ans. On est obligé de s'y coller à un moment ou à un autre. Hein. Mais il y a 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. Hein. De toute façon. Alors ce décalage temporel, il est évidemment extrêmement cruel et désagréable, mais c'est un fait. Il faut l'avoir il faut en tête. Maintenant, je vais vous parler un peu des conséquences du changement climatique, et je vais commencer par une comparaison que j'aime beaucoup, qui est que, que je vous montre maintenant, euh, qui va vous donner, j'espère, euh, un début de euh, visualisation de euh, avec quoi nous sommes en train de jouer. J'aime beaucoup euh, cet exemple parce que quand on parle à nos sens, une variation de température de quelques degrés est un non-sujet absolu. Euh, la température extérieure à Genève aujourd'hui a probablement varié de plus de 10 degrés. alors Il se trouve qu'on est dans une saison où ça varie beaucoup, mais a probablement varié de plus de 10 degrés entre ce matin et cet après-midi. Hein, on ne doit pas être loin de 15. Pff, ça vous a fait, pardonnez-moi l'expression ni chaud ni froid, enfin, au sens de euh, vous étiez vivant ce matin, vous êtes vivant cet après-midi, la température hein, extérieure a changé de 15 degrés, donc changer la température planétaire de 3 degrés, so what, quoi, je veux dire, C'est quand même juste pas un sujet. Bon. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est qu'une euh, moyenne et une valeur individuelle, c'est pas du tout pareil. Parce que pendant que ici, c'est le jour et que la température se réchauffe, en Australie, c'est la nuit et la température s'abaisse. Pendant que ici, c'est l'automne et la température descend. En Australie, c'est l'arrivée du printemps puis de l'été et la température monte. Alors en Australie et surtout l'océan euh, austral. Euh, et en fait... La moyenne planétaire, elle, elle varie pas du tout de 10, de 15 ou de, vous allez voir, 4 degrés tous les 4 matins. C'est pas du tout ça. Donc en fait, il faut bien raisonner, quand on, comprend, quand on parle de la variation de la moyenne, il faut bien comprendre que ça ne désigne pas du tout la même chose qu'une variation locale et instantanée, même si on parle de température dans les deux cas de figure. Alors, le... voilà, Donc, voilà euh, à quoi ressemble euh, l'Europe. Alors, quand je dis actuelle, c'est déjà plus actuel. C'est l'Europe, à chaque fois, il faut que je pense à changer cette légende. Euh, L'Europe de la fin du XXe siècle, ressemblait à ça. C'est-à-dire que dans l'Europe de la fin du XXe siècle, vous avez des conditions euh, climatiques qui font que si on ne coupe pas les arbres pour y mettre autre chose à la place des champs, des routes, des écoles euh, ou des banques eh bien, euh, nous avons en Europe des grosses espèces végétales qui sont capables de pousser, c'est-à-dire des arbres. Donc ça veut dire qu'il fait suffisamment humide et suffisamment doux, ni trop froid ni trop chaud, pour que prospèrent des grosses espèces végétales. Quand nous sommes au nord ici, il fait trop froid et trop sec pour que vous ayez ça. Et quand on est à l'est ici, il fait trop sec pour que vous ayez des arbres. Mais sinon, partout ailleurs, vous avez des arbres. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Alors l'Europe il y a 20 000 ans est très différente de l'Europe d'aujourd'hui et on se situe dans un contexte où en fait elle est beaucoup plus froide parce que à cause du mariage à 10 tumultueux que nous avons dans le système solaire. Donc vous savez que le système solaire est un mariage à 10, c'est-à-dire le soleil plus 9 planètes. Eh bien euh, en fait l'orbite de la Terre n'est pas constante au cours du temps parce que nous subissons l'attraction de Jupiter et de Saturne. Et l'attraction de Jupiter et de Saturne conduit l'orbite terrestre à ne pas être constante au cours du temps, elle est déformée au cours du temps. Et cette déformation de l'orbite terrestre a notamment causé les grands cycles glaciaires-interglaciaires euh, à l'échelle de la centaine de milliers d'années sur les trois derniers millions d'années. Hein, donc ça, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, mais c'est 100 000 ans dans un sens, euh, 20 000 dans l'autre. Donc il y a 20 000 ans, euh, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Alors il n'y a pas de financiers suisses parce que vous voyez que les Suisses sont sous la glace là. Euh, voilà donc. Euh mais réglé de ce côté-là. Il euh, n'y a pas non plus le Fonds souverain norvégien, euh, puisque les Norvégiens sont sous la glace, euh, comme vous pouvez le constater là. En fait, la Scandinavie euh, est sous 3 km de glace. <coughs> les glaciers des Alpes ont, considérablement, euh, ont pris une importance considérable, nous laissant au moment où ils ont disparu euh, la Haute-Vallée du Rhône. Et euh, vous voyez également que pour les Français, la très bonne nouvelle, c'est que les Irlandais et les Écossais ont disparu du tournoi des six nations, ce euh, qui est également un avantage considérable. Donc, vous voyez que le paysage est très différent. Euh, pour faire ce gros glaçon qui est là, et ce gros glaçon, là, gros, glaçon là, gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est posé sur le Canada, qui est totalement englacé, 3 km de glace aussi, plus le Groenland, etc., il faut de l'eau. Comme dans votre frigo, vous n'avez pas de glaçon sans eau. L'eau est venue en totalité de l'océan, euh, euh, parce qu'il y a eu un transfert d'eau, et euh, comme l'océan est une grande baignoire dont le fond est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc vous n'avez pas euh, M. Bourgnon, n'importe lequel des deux, euh, qui gagne une régate transmanche puis c'est plus de manches. Le climat est beaucoup plus froid et beaucoup plus sec. Et en fait, il est beaucoup plus sec parce que beaucoup plus froid. Euh, vous le savez aussi, vous habitez pas très loin des montagnes. Quand le climat est beaucoup plus froid, en général, il est sec parce que dans un climat froid, vous avez moins d'évaporation. Et par ailleurs, la quantité de vapeur d'eau que vous pouvez mettre dans un air très froid est beaucoup plus faible que la quantité de vapeur d'eau que vous pouvez mettre dans un air très chaud. Donc un climat beaucoup plus froid est un climat beaucoup plus sec. Du reste, l'Antarctique est un des endroits les plus secs au monde. Et euh, dans cet écosystème beaucoup plus hostile, où euh, l'essentiel de la végétation européenne ressemble à ce que vous avez au nord de la Sibérie actuelle, eh bien la population française est inférieure à la population genevoise de beaucoup. Euh, C'est-à-dire que tout ce que l'écosystème France est capable de fournir à des animaux en bout de chaîne alimentaire que sont les hommes c'est la capacité à nourrir 100 000 personnes. Donc vous voyez que les deux paysages sont raisonnablement différents. Et à l'évidence, quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, c'est que la planète s'est réchauffée. Hein, je connais peu de gens qui arrivent à faire fondre un glaçon en le refroidissant. Donc la planète s'est réchauffée. De combien Eh bien, cette transformation est due à un réchauffement planétaire qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que le passé nous offre, qui est de réchauffer le climat de quelques degrés en 5 à 10 000 ans. Et vous voyez le résultat. Alors avant de rentrer dans les détails, maintenant je vais vous la faire courte et bonne. Un réchauffement climatique de 4 degrés en un siècle fait que la valeur des actifs que vous gérez sera le cadet de vos soucis. D'abord, il n'y aura plus d'actifs à gérer. Euh, parce qu'une euh, bonne partie des pays mondiaux seront en guerre, euh, les autres seront en dictature. Euh, enfin voilà, c'est évident que c'est euh, le chaos partout. Parce que ça sera un tel déplacement des conditions existantes à une vitesse telle, avec des telles carences sur les besoins essentiels, et notamment l'alimentation, je vais vous en parler, que évidemment, ça va être le bazar partout. Donc on ne restera pas du tout dans un monde stable, et les Nations Unies pourront bien appeler à la paix, ça ne servira à rien. Hein. Donc c'est un monde monstrueusement chaotique qui nous attend et surtout les gens qui vont nous suivre parce qu'à la limite il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont comme moi quelques cheveux blancs, bon s'ils si meurent demain matin ils en ont bien profité à la limite, hein. ils sont au-delà de l'espérance de vie de l'humanité qui était la sienne en 1900, ne serait-ce qu'en 1900, hein. je vous rappelle que l'espérance de vie à la naissance en 1900 en France était inférieure à 50 ans. Donc tous les gens qui ont plus de 50 ans dans la salle ils ont déjà beaucoup plus profité de la vie euh, que l'essentiel de l'humanité qui nous a précédé. Hein. Donc, euh, mais là, on est en train de parler de nos gosses et de nos petits-enfants. De C'est deux qu'on est en train de parler euh, et eux n'ont pas tous 50 ans. Donc voilà euh, de quoi il est question. Alors maintenant, un peu quelques détails. Tout ce que je vous raconte maintenant est sorti de la littérature scientifique. Vous avez les sources. Hein. Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales. C'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. D'accord par rapport à aujourd'hui. Euh, le... Pourquoi est-ce que c'est concentré sur la bande équatoriale Parce que c'est une zone dans laquelle l'air est saturé d'humidité. Vous savez que la température de votre corps est de 37 degrés. En fait, la température de votre peau est de 35. De votre front, un peu plus, puisqu'on vous a tous pris la température pour vous laisser rentrer ici. Euh, et vous avez vu, si vous avez regardé la température qui s'affichait, vous avez vu que c'était 35, pas grand-chose, euh, la température extérieure. 35 et 36. Si l'air ambiant. Monte à plus de 35 ou 36 degrés en étant saturé à 100% d'humidité. À ce moment, vous, vous rentrez, euh, enfin vous êtes dans un environnement dans lequel votre corps ne peut plus se refroidir par déperdition thermique et il ne peut plus se refroidir par évaporation, c'est-à-dire la transpiration. Donc vous mourrez d'hyperthermie. Vous pouvez mourir, mourir d'hypothermie si vous êtes pris sous une avalanche et qu'on vient pas vous chercher, enfin déjà d'asphyxie. Mais tomber dans une crevasse, vous pouvez mourir d'hypothermie, ça c'est possible. Eh bien là, c'est les endroits où on mourra d'hyperthermie parce qu'on ne peut, peut juste pas se tenir dans des conditions extérieures euh, et vous avez le nombre de jours par an que ça concernera donc il y a des endroits, par exemple ici un tout petit peu peuplé, par exemple ici un tout petit peu peuplé, par exemple le Nigeria un tout petit peu peuplé, etc euh, voilà. et bien évidemment, euh, au fur et à mesure que nous irons vers des conditions de cette nature si nous y allons, les gens qui habitent là ils ne vont pas rester là hein. ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait alors ils ne monteront pas tous dans un avion parce qu'à ce moment-là il n'y aura plus d'avion euh, mais enfin de proche en proche euh, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques euh, massifs, c'est absolument évident. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, dans un climat globalement plus chaud, il y a globalement plus d'évaporation, mais malheureusement, cette évaporation ne conduira pas à des précipitations qui augmentent partout. Le surplus global de précipitations sur Terre sera mal réparti, et il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont beaucoup augmenter. Typiquement les hautes latitudes nord, et des zones, notamment le pourtour du bassin méditerranéen, donc nous on est aux avant-postes, où les précipitations vont significativement diminuer. En plus du fait que les précipitations diminuent, et vous le constatez probablement si vous allez faire un tour dans la nature pas très loin d'ici, à précipitations constantes, si les températures augmentent, l'évaporation augmente et les sols s'assèchent, même si les précipitations ne baissent pas. Et ça, les arbres et les cultures n'aiment pas. Donc ça va mettre sous stress les arbres et les cultures. Et le bassin méditerranéen est particulièrement aux avant-postes, puisque, avec un réchauffement de 2 degrés, on a déjà 20% d'assèchement des sols euh, sur le pourtour du bassin méditerranéen. Alors, une partie de ce pourtour, c'est tous les pays de la rive sud, qui sont déjà pas autosuffisants sur le plan alimentaire, euh, qui seront, à cause de leur démographie, obligés d'importer de manière croissante tant qu'ils arrivent à nourrir les gens avec des importations. Euh, et puis, quand ils commenceront à avoir du mal à faire ça, bah, c'est le printemps arabe empire qui se, qui se redéclenchera. C'est exactement ça qui va se passer. Donc, les millions de réfugiés en Europe. Euh, C'est marrant parce que je suis passé juste avant à une émission de radio. On m'a demandé ce que je pensais de la votation euh, qui allait être proposée aux Suisses sur l'immigration. Alors, ma réponse a été la pression extérieure va augmenter de toute façon à cause de ce problème-là et d'autres problèmes. Et euh, si vous voulez être bien protégé contre l'immigration, il est plus urgent d'aller mettre beaucoup de pognon dans les pays qui ont un, euh, de l'immigration possible à vous proposer euh, plutôt que de penser que vous allez vous barricader ici parce que ça résistera qu'un temps, quoi. Là, vous avez l'évolution de l'humidité des sols euh, et du coup l'évolution des rendements agricoles euh, derrière. Euh, et je vais aller directement à ce graphique qui date euh, d'il y a un an plus ou moins, euh, qui vient du GIEC et qui vous dit qu'à partir de 2,5 degrés à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Alors, tous ceux d'entre vous qui ont lu leur cours d'histoire attentivement se rappelleront que l'insécurité alimentaire et le premier ferment d'instabilité politique, euh, à partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer, ils se révoltent. Ça marche très très bien, nous on a coupé la tête de notre roi, on le regrette un peu maintenant parce qu'on n'a personne à mettre dans gala, on est obligé d'élire un président pour ça, euh, mais euh, sinon euh, c'est évident que euh, c'est quelque chose qui va euh, beaucoup bouger. Alors quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, mais que je vais vous dire tout de suite, dans le monde économique en particulier, dans le monde économique en particulier, on a tendance à être, euh, comment dire, à être trompé par les raisonnements linéaires. Une action me coûte 100 euros, donc deux actions me coûtent 200 euros. Et on transpose ces raisonnements linéaires au monde physique qui, lui, n'est pas linéaire. Donc euh, beaucoup de gens se disent 2 degrés, c'est deux fois plus grave que 1 degré. Je vais prendre un exemple qui est votre propre corps. De temps en temps, il arrive à votre propre corps de connaître une élévation de température. Ça s'appelle avoir de la fièvre. Alors, si vous avez une élévation de température de 1 degré, vous êtes un peu mal foutu. Bon, pas trop trop grave. Euh, si vous êtes très motivé, vous viendrez même ici parce que les petits fours sont bons. Si vous avez une élévation de température de 5 degrés, vous n'allez pas rater 5 cocktails, vous êtes mort. Donc, votre corps, qui est un système parfaitement non linéaire, vous voyez bien que les conséquences ne sont pas une fonction linéaire de l'élévation de température. Les conséquences augmentent beaucoup plus vite que l'élévation de température. Eh bien, pour la planète c'est exactement pareil donc 2 degrés c'est pas deux fois plus grave que 1 degré, c'est probablement 50 fois plus grave que 1 degré et 3 degrés c'est probablement 10 000 fois plus grave que 1 degré donc l'élévation le, 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 là en ce moment vous avez déjà plein de coraux qui souffrent, à 2 degrés ils sont tous morts par exemple hein donc 25% des espèces marines qui sont dépendantes des récifs coralliens aujourd'hui alors peut-être qu'elles bah arriveront à aller ailleurs je sais pas où euh, mais si elles n'y arrivent pas, elles disparaissent voilà, voilà un exemple parmi d'autres. Euh, donc il faut, il faut bien comprendre encore une fois que chaque demi degré vous amènera un surplus de conséquences désagréables peut être égal à la totalité des conséquences désagréables qu'on a déjà eues avant. Hein, c'est pas du tout linéaire comme, comme euh, la fonction des dommages. Alors un tout petit sujet. Je suis désolé de vous projeter une carte de l'hexagone, mais c'est pour illustrer quelque chose de plus général. Euh, je le redis, il ne vous aura pas échappé qu'une petite, qu petite partie de l'Australie euh, a brûlé il n'y a pas très longtemps. En fait, la partie de l'Australie qui a brûlé est très nettement supérieure à la superficie de la Suisse. Il y a à peu près 20 millions d'hectares qui ont brûlé, en, en, euh, c'est-à-dire à peu près 200 000 kilomètres carrés. Euh, sauf erreur de ma part, la Suisse ne fait pas une petite moitié de la France, elle est plus petite que ça. Euh, donc on a une petite moitié de la France en forêt qui a brûlé en Australie. Euh, en Sibérie, c'est à peu près pareil. Il y a eu des températures totalement hallucinantes euh, proches du cercle polaire au dernier printemps, avec des feux absolument partout. Euh, et euh, en ce moment, c'est en Californie qu'ils sont en train d'y passer à leur tour, euh, ainsi qu'au Brésil, euh, ainsi que dans une partie de l'Afrique. Alors, ce que vous voyez ici, euh, c'est le résultat, de, enfin, le résumé de ce que je suis en train de vous dire, c'est la propension à brûler des forêts françaises à la fin du XXe siècle et en 2040. Donc en gros, et ça c'était une simulation il y a quelques années, c'est probablement en train d'aller plus vite que ça. Euh, ce que vous voyez, c'est que en gros, en 2040, n'importe où en France, ça pourra brûler comme ça brûle aujourd'hui euh, dans euh, le bassin méditerranéen, enfin, sur la côte méditerranéenne, euh, ou à peu près. Euh, donc dans l'arrière-pays, dans, dans la région parisienne, ça brûlera comme dans l'arrière-pays provençal aujourd'hui. Les phénomènes extrêmes vont avoir tendance à s'intensifier. Euh, alors, je vous ai dit tout à l'heure que le réchauffement climatique était un, un réchauffement près de la surface. Hein, on intercepte les infrarouges planétaires près de la surface, donc on réchauffe la température près de la surface. Mais si on intercepte les infrarouges rayonnés par la surface près de la surface, du coup, il y a moins d'énergie pour chauffer la haute atmosphère. Il y a moins de rayonnement à intercepter dans la haute atmosphère. Donc, le réchauffement climatique, et c'est induit par le supplément d'effet de serre, et c'est une de ces marques de fabrique qui permet de le différencier de manière très nette du réchauffement dû à la variation de l'activité solaire, c'est qu'il conduit à un refroidissement de la stratosphère. Donc quand c'est l'effet de serre qui augmente, la température au sol augmente, la stratosphère se refroidit. Quand c'est le Soleil qui est plus actif, la stratosphère se réchauffe, parce que dans ce que le Soleil nous envoie, il y a des ultraviolets qui sont absorbés par l'ozone de la haute atmosphère, et si le Soleil est plus actif, il nous envoie plus d'ultraviolets, et la haute atmosphère absorbe plus d'ultraviolets, et elle se réchauffe. Donc, quand la stratosphère se réchauffe, c'est la faute au soleil. Quand la stratosphère se refroidit, c'est la faute des hommes. Et en ce moment, la stratosphère se refroidit. Depuis qu'il y a des ballons sondes qui vont mesurer sa température, on sait que la stratosphère se refroidit depuis les années 70. Donc, on est absolument certain que ce qui est en train de se passer, c'est le supplément d'effet de serre et que le soleil n'y est pour rien. Il y a d'autres marqueurs qui permettent de le dire. Et ça, c'est un marqueur absolument euh, garanti sur facture. Tous ceux d'entre vous qui ont fait du planeur euh, ou euh, du parapente le savent. Quand les jours d'été, euh, vous avez un sol très chaud et une stratosphère bien froide, eh bien à ce moment-là, vous avez des courants convectifs particulièrement puissants et vous pouvez aller vous balader au-dessus du Weisshorn, comme je l'ai vu cet été. Euh, eh bien C'est exactement pareil avec les mouvements euh, convectifs qui mettent en route les ouragans et les tornades. À partir du moment où vous avez une température de surface qui est plus élevée, et une température de la stratosphère qui est plus basse, vous avez un différentiel de température entre les deux qui augmente. Et ça, ça augmente la puissance de la pompe convective qui met en route les ouragans, les orages et les tornades. Donc, la logique veut que les phénomènes extrêmes soient amenés à s'intensifier. Alors, dans les phénomènes extrêmes, là, je vous parlais, de, mais il y a aussi les vagues de sécheresse, il y a aussi les inondations, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Depuis qu'on les mesure, on constate que l'intensité a tendance à augmenter. Le Groenland a commencé à fondre. Le Groenland a commencé à fondre. Euh, et à partir de maintenant, il va continuer à fondre, quoi qu'on fasse. Parce que les processus qui. Euh, enfin, comment dire, La fonte du Groenland crée des tas de processus d'amplification de sa propre fonte. Euh, le premier processus d'amplification, c'est qu'à la surface du Groenland, amené par le vent, vous avez des poussières. Quand la neige fond, les poussières se concentrent. Les poussières ne fondent pas. Ça, ça rend la surface plus, plus sombre et donc elle absorbe plus de rayonnement solaire et donc elle font encore plus. Le deuxième processus, c'est que si c'est la surface qui fond, quand la surface fond, l'altitude de la calotte baisse, parce que vous avez, vous avez un peu moins de en surface, et vous savez bien que quand l'altitude la, baisse, la température ambiante augmente. Donc ça fond encore plus vite. Et enfin, il y a un troisième processus qui amplifie la fonte, c'est la fonte de la banquise. Alors la banquise ne fait pas élever le niveau de l'eau en elle-même, parce que le glaçon est déjà posé sur l'eau, euh, mais par contre, si vous faites fondre la banquise, vous remplacez une surface très réfléchissante, qui est la glace, par une surface très absorbante, qui est l'eau océanique. À ce moment, plus de rayonnement solaire est absorbé, et à ce moment, la température ambiante de la calotte augmente, et la calotte fond encore plus vite. Tous ces trucs-là vont s'amplifier. Donc, de toute façon, la calotte groenlandaise, elle est partie pour fondre et contribuer pour n'importe quoi, entre 3 et 6 mètres, à l'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. De toute façon, ça, le coup est parti. Et il y a probablement un processus identique qui est en train de se mettre en place sur la calotte antarctique de l'Ouest. Alors la calotte antarctique de l'Ouest, c'est cette partie-là. Il n'y a pas vraiment d'Ouest en Antarctique hein, puisqu'on est centré sur le pôle Sud. Euh, mais cette partie-là, il y a un certain nombre de signaux assez inquiétants euh, qui montrent que euh, le, les glaciers sont en train de fluer beaucoup plus rapidement vers la mer. Cette calotte est posée pour l'essentiel, comme une bonne partie de celle-là aussi, mais sur un socle rocheux qui est sous-marin. Et donc euh, ça peut être également attaqué par la mer par en dessous. Euh, quand elle se réchauffe. Enfin bon, bref. Il y a tout un tas de processus qui, là aussi, s'amplifient les uns les autres, et il y a un vrai risque que ce truc-là se désagrège euh, et contribue pour 6 mètres d'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. 6 plus 3, ça fait 9. Plus la dilatation, et ben ma foi, dans quelques siècles, on pourrait avoir le nord de l'Europe qui ressemble à ça. Alors bon, vous me direz, les Suisses, on s'en fout, nous, notre littoral maritime est réduit à une expression assez simple. Je le redis. Euh, si ça, ça se passe en Europe du Nord, je ne pense pas que la Suisse restera indemne des conséquences qu'il y aura en Europe au sens large. D'accord Alors c'est pour dans longtemps. Euh, mais... Euh, enfin, on pense que c'est pour dans longtemps. Euh, cela étant, il euh, le, 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 y a des conséquences très amples comme ça, dont, dont le, le doigt sur la gâchette est en ce moment. Autre conséquence, je vous ai dit tout à l'heure qu'une partie du CO2 atmosphérique passait dans l'eau. Pour ceux d'entre vous qui ont lu des vieux, des vieux Jules Verne, vous vous rappelez peut-être que le gaz carbone euh, on appelait le gaz carbonique dans les temps anciens. Alors avant qu'on oblige vos enfants à dire dioxyde de carbone, on leur disait gaz carbonique. Et avant gaz carbonique, on disait acide carbonique. Pourquoi acide carbonique Parce que quand vous mettez le CO2 dans l'eau, il acidifie l'eau. Et donc le fait d'avoir du CO2 qui passe dans l'eau diminue le pH de l'eau. Et ça, ça va rendre plus difficile la synthèse du calcaire par tous les organismes qui ont besoin de synthétiser un squelette en calcaire, et notamment une bonne partie du zoo et du phytoplancton qui synthétisent des petites coquilles, donc les petits animaux marins qui sont en début de chaîne alimentaire, euh, qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leur petit squelette. Hein euh, dans les animaux euh, qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leur petit squelette, vous avez notamment les petits animaux qui ont donné euh, lieu aux couches géologiques de calcaire, euh, qu'aujourd'hui on ouvre pour faire du ciment et des maisons. Euh, ça, c'est des coquilles d'animaux anciens, hein, euh, sédimentées, ces couches de calcaire. Hein, donc euh, voilà, donc on empêche ces, ces animaux de vivre. Alors euh, continue. Dans un monde euh, où euh, qui va se réchauffer, on va modifier la circulation océanique à large échelle. Euh, le climat va se réchauffer plus vite près des pôles qu'aux tropiques dans le cadre d'un réchauffement euh, climatique dû à l'effet de serre. Déjà, un chimiste suédois qui s'appelle Arrhenius avait compris ça en 1896. Pardon, en 1896. Excusez-moi, j'ai oublié que j'avais franchi la frontière. Euh, et euh, Arrhenius avait dit euh, le supplément d'effet de serre causera un réchauffement plus rapide aux pôles qu'aux tropiques euh, et euh, l'hiver que l'été et la nuit que le jour. Euh, C'est des causes physiques aussi. On pourrait dans les détails. C'est des causes physiques qui expliquent ça. Du coup, la différence de température entre les pôles et les tropiques va s'affaiblir. Et ça, ça a deux conséquences. Ça va modifier la circulation océanique à large échelle, notamment celle qui nous envoie à la dérive nord-atlantique, hein, qui est un bout du Gulf Stream qui remonte. Mais c'est également en train d'affaiblir le vortex polaire, qui est euh, la délimitation entre le climat polaire et le climat des moyennes latitudes, qui devient plus faiblarde. Et ça explique pourquoi, notamment en hiver, vous avez maintenant des élévations de température soudaines extrêmement violentes, suivies éventuellement derrière de records de froid juste après. Hein et bien ça, c'est la limite séparative entre le climat polaire et le climat des moyennes latitudes qui s'affaiblit, et les masses d'air qui communiquent plus facilement entre les deux. Donc ça nous crée un climat qui est beaucoup plus variable et qui passe d'un extrême à l'autre. Et le 1er janvier 2019 ou 2018, je ne sais jamais, il y avait une température positive au pôle Nord. 1er janvier. Température positive au pôle Nord. Voilà, à cause de cet effet de... Le Covid Parlons du Covid. Alors le Covid ne doit rien au changement climatique, a priori. Par contre, dans l'autre sens, ça marche. Quand vous chauffez le bouillon de culture, la biodiversité des agents pathogènes augmente. La nature aime bien être créative en termes d'agents pathogènes quand il fait un peu plus chaud, les virus aiment bien ça, et euh, les microbes aussi. Donc, le changement climatique augmentera la pression pour qu'il apparaisse des trucs nouveaux qu'on n'avait pas vus avant, ou que des trucs qu'on avait déjà vus avant se mettent à, euh, comment dire, prospérer dans des zones où ils ne prospéraient pas avant. Donc, il va y avoir des surprises sur le plan des pathologies. Euh, bon, ça, je vais aller rapidement, ça, je vais aller rapidement, ça, je vais aller rapidement. Et je vous demande euh, de bien regarder la dernière phrase. La dernière phrase, c'est que si vous calculez des values at risque, ça ne sert à rien, parce que le risque, vous ne le connaissez pas. n'y a pas la peine de calculer des values at risque sur un risque que vous ne connaissez pas. Dans cette expérience que nous faisons pour la première fois, qui consiste à faire varier le climat de la même ampleur potentiellement qu'une déglaciation, sur une humanité sédentaire de 8 milliards de bons hommes, la seule chose absolument certaine, c'est que nous ne verrons pas arriver à l'avance toutes les conséquences possibles. Et comme le dictionnaire est bien fait, ça s'appelle une surprise. Donc à mesure que le climat se réchauffera, nous verrons arriver en quantité croissante des conséquences imprévues désagréables en quantité croissante. Voilà, c'est écrit. Il ne faut pas demander à la science de vous faire le menu du restaurant tout étant écrit à l'avance, euh, et dites-moi si dans les champignons émincés, vous en avez mis quatre ou cinq, ce n'est pas la peine, euh, la science sera à jamais incapable de vous faire un tableau prédictif complet des risques que nous pouvons courir. Ce que je viens de vous donner comme liste ce soir, c'est à peu près le meilleur de ce que vous aurez en termes euh, de, 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 de visibilité d'ensemble euh, sur les risques que nous courons. Alors mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est que quand Greta Thunberg voit ça, et qu'elle qu nous dit, mais vous, la génération d'avant, qu'est-ce que vous foutez On a l'impression que, que ça vous indiffère totalement. Bah, la raison, parce qu'effectivement, on en sait bien assez pour commencer à s'exciter sur la question. Voilà. Euh, le fait qu'on ne le fasse pas, euh, alors il y a un défaut de connaissance encore, évidemment. Hein, mais il, quelque part, encore une fois, la connaissance disponible est largement suffisante euh, pour qu'on considère qu'il faut qu'on passe à l'action. Alors tout ça, combien ça pourrait coûter Eh bien, la réponse, c'est n'importe quoi entre zéro et l'infini. Puisque, comme vous le savez et que je vais vous montrer dans pas longtemps, les ressources naturelles sont toutes gratuites par convention dans notre système économique. Donc, le système climatique est gratuit par convention dans notre système économique. Vous n'avez pas une seule valeur d'action qui intègre l'existence du climat. D'accord, il n'existe pas. Et comme c'est quand un actif est gratuit, ben, le dommage à un actif, il vaut zéro. Donc, combien vaut le fait de fiche en l'air le système climatique? Ben, zéro. Alors en fait, on essaye de contourner le problème en disant, ben, on va essayer de voir quelle perte de PIB on pourrait avoir si on touche à un actif qui est gratuit et qui intervient quand même dans le fait qu'on ait un PIB. Bon, et ben la réponse à cette question, c'est voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que jusqu'à maintenant, le... comme ça, ça donnait la valeur de gauche que vous avez sur ce tableau un peu compliqué. Je vais surtout vous faire un zoom sur la valeur de droite. Il y a des économistes, alors c'est très rigolo parce qu'ils sont à l'université de Chicago. Vous savez, l'université de Chicago, c'est l'université de Rockefeller et de Milton Friedman, c'est-à-dire celle qui a fait que les gens qui sont dans cette salle pensent qu'ils manipulent une donnée, à savoir un prix, dans lequel toute l'information nécessaire est contenue dans le prix. Hein c'est ça, l'université de Chicago et Milton Friedman. Alors malheureusement, ce n'est pas du tout vrai, vous allez le voir dans pas longtemps. Euh, et c'est très rigolo de voir que c'est de cette université que vient un article qui est paru il y a une semaine dans lequel il dit Ouais, enfin, si on regarde toutes les conséquences, eh bien, le coût de la tonne de CO2, pourrait, sur de la tonne de carbone, pourrait se balader entre 10 000 et 600 000 dollars. Alors, je vais vous faire un petit calcul tout simple. L'empreinte carbone d'un Suisse, comme d'un français, parce qu'on est à peu près dans les mêmes eaux, se balade entre 10 et 15 tonnes de CO2 par an. C'est-à-dire que si je fais les émissions nécessaires à tous les produits et services... Consommé par un Suisse moyen ou un Français moyen, sachant que vous, dans cette salle, vous êtes très au-dessus du Suisse moyen, donc votre empreinte carbone est bien plus importante. Notamment, et ça, toutes les études le montrent, vous prenez beaucoup plus l'avion que la moyenne. Euh, eh bien, euh, l'avion est vraiment un transport de riches, hein, quand vous regardez le, le, la distribution sociale de, de, du transport aérien. Eh bien, euh, à 15 tonnes de CO2, il euh, ne faut pas le sentir comme une agression, hein, c'est une réalité factuelle. À 15 tonnes de CO2 par personne, si la tonne de carbone allez, est à 100 000 dollars, donc la tonne de CO2, euh, à, à, pardon, oui c'est ça, la tonne de CO2 à 300 000 dollars, eh bien euh, vous avez euh, 15 fois 300 000, 4 millions et demi de dollars de coût du changement climatique pour le mode de vie qu'on a aujourd'hui par personne, alors que la même personne va ramener 30 000 dollars de PIB par an. Donc ce que vous disent les économistes, là, c'est qu'on peut justifier d'une valeur économique du changement climatique qui fait qu'à chaque fois qu'on fait un dollar de PIB, on croit qu'on s'enrichit. En fait, non, on est juste en train de s'appauvrir monstrueusement. C'est une autre manière de dire que la réparation des dommages sera totalement hors de portée de l'économie. C'est une autre manière de dire ça. Alors, à ce stade, vous m'avez bien écouté, vous dites, bon, bon, très bien, on passe à l'action, on a bien compris, on va investir dans les éoliennes. Vous allez voir, c'est malheureusement un peu plus compliqué que ça. Euh, et on va euh, prendre le début du chemin euh, qui va nous amener euh, vers euh, les questions sur ce sujet-là. Vous avez ici euh, un, une, un ensemble de courbes qui vous donne euh, la réponse à une question qui est de combien se réchauffe le système climatique planétaire entre le début de l'ère industrielle, allez, on va dire 1850 et 2100, en fonction de la quantité totale de CO2 que j'ai mis dans l'atmosphère entre 1850 et 2100. Alors le, le début, ce n'est pas exactement pareil, 1850, 1870, mais on s'en fout, entre 1850 et 1870, pardon, 70, il s'est passé tellement peu de choses que ça ne compte pas au regard de ce qui s'est passé derrière. Donc je regarde les émissions globales sur le siècle et demi euh, qui va de 1850 à 2100, et ça me donne l'élévation de température que j'aurai entre 1850 et 2100. Alors, application pratique, je n'ai pas encore fait le calcul pour 2019, mais en France, on ne sera pas loin. Euh, à fin 2018, l'humanité a rajouté 2250 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et donc nous avons signé pour une élévation de température de 1,5 degrés dont 1,2 sont déjà visibles et les 0,3, ils sont juste déjà embarqués dans nos émissions passées. Donc, demain matin, j'arrête d'émettre. De toute façon, on tape les 1,5 degrés. Même si ça déplaît aux Nations Unies à côté, qui ont fait signer à Paris un accord comme quoi on allait se limiter, ça on s'en fout, la physique vous dit 1,5 degré, c'est embarqué dans nos émissions passées, ça y est, c'est terminé, on ne peut plus rien faire contre. Si on veut se limiter à 2 degrés, ce qui est les grandes déclarations larmoyantes, le cœur sur, enfin, la main sur le cœur des pays à l'accord de Paris, Alors, le grand avantage d'une droite, c'est que c'est bijectif, donc nous n'avons une. une réponse à cette question. Eh bien, il faut limiter les émissions planétaires à 3 000 milliards de tonnes de CO2, dont 2 250 ont déjà été émises. Donc, il en reste 750. Vous êtes d'accord avec moi Il en reste 750. Euh, ça veut dire qu'il reste pour le siècle à venir, pour faire simple, le tiers des émissions que l'humanité a occasionnées sur le siècle passé, toujours pour faire simple, avec une humanité en moyenne deux à trois fois moins nombreuse. Ça veut dire qu'un gamin qui naît aujourd'hui, sa vie durant, si on veut respecter les deux degrés, il a un budget carbone qui est entre le sixième et le dixième de celui qu'ont eu ses grands-parents, qui meurent le jour de sa naissance, toujours pour faire simple. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous allez me dire, très simple, il n'y a qu'à planter des éoliennes. Ok, on continue. En pratique, ça veut dire que euh, les émissions de gaz à effet de serre doivent aller très vite vers zéro. Dans le, allez, très vite ça veut dire que dans le, la deuxième moitié du 21 e siècle, on est en 2020 hein, la deuxième moitié du 21 e siècle elles doivent descendre à zéro et ça veut dire que ça doit passer par un point intermédiaire qui est que d'ici à ce que mes enfants aient mon âge d'ici à ce que mes enfants aient mon âge les, le, les émissions planétaires doivent être divisées par 3 d'ici à ce que mes enfants aient mon âge donc les générations futures qui sont concernées par ce sujet on les touche du doigt tous les jours je sors d'un établissement puisque j'étais à l'EPFL ce matin ce qui est truffé de générations futures D'accord Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, je ne sais pas où, qui naîtront dans le futur. Non, non. Les générations futures sont nées depuis 1992, année du sommet de la Terre, où il est, on a signé un texte où il était question des générations futures. Donc tous les gens qui sont nés à partir de 1993, c'est des générations futures. D'accord Donc les générations futures, vous les touchez du doigt, pour ceux d'entre vous qui les ont à la maison, tous les jours en rentrant le soir. J'insiste, ce n'est pas dans le futur, c'est des générations déjà passées. Hein euh, donc, d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, il faut que les émissions planétaires soient divisées par trois. Alors, pour voir s'il suffit de planter des éoliennes, on va s'intéresser un peu à d'où viennent les émissions planétaires. Donc, vous avez ici un camembert qui représente les émissions planétaires. Nous sommes bien d'accord. 20 le gros paquet marron, ça vient des sols centrales à charbon. Donc, les sols centrales à charbon dans le monde, c'est 20 des émissions planétaires. Là-dedans, il y en a la moitié qui vient de Chine. La moitié du parc de centrales à charbon est en Chine. Alors vous allez me dire, nous, les financiers, maintenant, on est propre, on ne fait plus de charbon. Évidemment, on ne fait plus de charbon, il n'y a plus de charbon à faire. Il se trouve que euh, le charbon, il est en train de croître en Chine, en Inde euh, et euh, dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. En Europe occidentale, où les, le pic de production du charbon en Grande-Bretagne était en 1914, euh, le pic de production, il y a un petit rapport entre ceci et cela, soit dit en passant. Euh, le pic de production en Allemagne était euh, dans les années 50, sauf erreur de, ma de ma part ou plus ou moins. Euh, le pic de production en France, il était euh, dans les mêmes eaux. Euh, donc, en fait, du charbon, on en a de moins en moins en Europe. Il euh, y en a encore pas mal aux États-Unis, mais en ce moment, il est en train d'être chassé par le gaz. Donc, c'est vachement facile pour un financier de s'acheter un brevet de vertu en disant j'investis pas dans le charbon. De toute façon, il n'y a pas de projet en Occident accessible aux financiers qui veulent investir dans le charbon parce que les Chinois s'occupent tout seuls de leur charbon. Donc, ça, c'est un engagement qui coûte rien parce que de toute façon, ça ne concerne aucun projet intéressant. Mais ça fait quand même 20% des émissions dans le monde. Ensuite, 7% des émissions dans le monde, c'est le fait des centrales à gaz et à fioul, surtout à gaz. Alors, je rappelle que le gaz à beau être naturel, c'est une énergie fossile. Hein. Je vous rappelle que les chutes de pierre et la ciguë, c'est aussi naturel. Euh, donc, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Naturel, ça ne veut rien dire, en fait. Hein. Tout est naturel, quelque part. Euh, les cimenteries, donc le business de M. Holcim, hein. c'est 6 à 7% des émissions planétaires, rien que... Euh... Non, pardon, c'est 6 à 7% des émissions planétaires et là-dedans, les deux tiers... C'est la calcination du calcaire. C'est le fait de prendre du calcaire, c'est CACO3, et de le casser en deux pour faire de la chaux vive, qui, mélangée avec des poudres de perlimpinpin, vous fera le ciment. Et de l'autre côté, vous avez du CO2 qui part dans l'air. Donc un four à ciment, c'est un endroit dans lequel c'est un four à casser du carbonate de calcium en deux morceaux, l'un des deux morceaux étant du CO2 qui part dans l'air. Euh, le reste de l'industrie occasionne euh, un gros 10%, on va dire 12% euh, des émissions euh, de gaz à effet de serre. Là, je vous parle des émissions directes. Donc, je ne vous parle pas de l'électricité consommée par l'industrie qui se retrouve dans ce paquet-là et euh, ce paquet-là. Je vous parle bien des émissions directes des hauts fourneaux, des, etc., euh, des, des usines chimiques, euh, voilà, enfin, des, des, des endroits par exemple où on fabrique de l'hydrogène. On parlera peut-être de l'hydrogène au moment des questions. Euh, Aujourd'hui, la fabrication de l'hydrogène, ça vous émet autant de CO2 que vous voulez parce qu'il s'agit de mélanger du méthane, donc du gaz naturel avec de la vapeur d'eau, et de chauffer l'ensemble très fort en brûlant du gaz naturel. Donc vous avez deux fois du CO2 dans la production d'hydrogène, une fois en brûlant du gaz naturel, et une deuxième fois parce que le carbone du méthane, il est retiré par l'oxygène de la vapeur d'eau, et il donne du CO2 qui part aussi dans l'air. Donc aujourd'hui, euh, une voiture à hydrogène, ça crache autant de CO2 en analyse de cycle de vie qu'une voiture à essence. Donc quand l'Europe s'excite en disant on va faire de l'hydrogène, puis au début c'est compliqué de l'électrolyser avec des, des éoliennes, ça sera toujours compliqué. On va prendre de l'hydrogène qu'on appelle gris au début pour se faire la main. En fait, c'est de l'hydrogène truffé de CO2. Gain pour le climat, nul. Alors gain pour l'air liquide réel, mais gain pour le climat, nul. Euh, le... Les chaudières de bâtiments, c'est 6% des émissions dans le monde. Alors c'est beaucoup plus en Suisse, par exemple, mais parce que la Suisse chauffe et climatise peu, mais euh, si vous allez en Inde, il euh, y a peu d'endroits où on chauffe, alors qu'il y a beaucoup d'endroits où on climatise, etc. Donc 6% dans le monde. Les transports, c'est 14%. Là-dedans, les voitures, c'est 6. Les camions, c'est 4. Euh, les avions et les avions pré-Covid, c'est 2. Et les bateaux, euh, c'est 2. Alors avant même de rentrer dans le reste, vous voyez tout de suite que les voitures et les cimenteries, c'est un problème de même ampleur dans le monde. Que la totalité des moyens de transport, c'est moins d'émissions que les seules centrales à charbon. Voilà, vous commencez à avoir une petite idée euh, de... Euh, et alors, planter des éoliennes pour faire l'hydrogène pour ça, plus l'hydrogène pour ça, plus l'hydrogène pour ça, plus l'hydrogène pour ça, euh, plus la réduction du minerai de fer ici, plus ici, plus là, plus ces machins, les ordres de grandeur ne passent pas. Voilà, les ordres de grandeur ne passent pas, on verra après, Pff, ça ne passe pas. 20% euh, des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'agriculture. Il s'agit là des émissions des vaches. Alors, je suis désolé de dire ça au pays des éreins, c'est des cimentales, euh, mais les vaches sont très mal élevées, elles rotent. Euh, elles ont un élément de supériorité sur les hommes, c'est qu'elles ont quatre estomacs, comme vous le savez euh, la panse, le bonnet, la caillette et le feuillet, qui font des très bonnes tripes ensuite. Euh, mais euh, donc, les vaches rotent du méthane. Et vous avez deux grandes sources de méthane dans le monde, dans le monde agricole c'est l'élevage des ruminants et les rizières. Alors, il y a assez peu de rizières en Suisse, quelques vaches. Euh, tous les ruminants, hein, les chèvres, les moutons, etc. Mais c'est surtout les vaches. Et puis vous avez également euh, les émanations de méthane des déjections. Euh, et vous avez également les émanations de protoxyde d'azote des engrais. Quand on utilise des engrais azotés et qu'on les met par terre, vous avez du protoxyde d'azote qui s'en dégage. Et le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre. Euh, c'est aussi le gaz hilarant ou l'anesthésiant léger qu'on donne à vos enfants à l'hôpital. Parfum frais ou mante, il faut choisir. 10% des émissions sont le fait de la déforestation. Alors la déforestation sur Terre, c'est très simple. Je coupe, je brûle pour laisser place à des surfaces agricoles. C'est le processus qui euh, est à l'aval euh, des euh, forêts de Bornéo avec les orangs-outans devant les bulldozers. Enfin, c'est ce processus-là. Euh, les brûlis au Brésil et les incendies qui en découlent, etc. Et c'est essentiellement pour faire des cultures euh, qui vont être destinées soit euh, au pays, soit à l'exportation. Alors en Indonésie, c'est l'huile de palme qui va à l'exportation. Au Brésil, c'est le soja qui va à l'exportation. En Afrique, c'est beaucoup des cultures vivrières. Hein. C'est pour eux-mêmes. Mais partout, le déterminant est le même. C'est pour avoir des nouvelles surfaces agricoles. Donc, si vous aimez pas la déforestation, il faut se préoccuper de deux sujets. C'est la taille de la population mondiale et la part de la viande dans la ration alimentaire. Voilà, c'est les deux drivers de la déforestation. Il n'y enfin, en a pas d'autres. Macroscopiquement, il n'y en a pas d'autres. Et enfin, euh, les autres processus euh, sont... Euh, alors, vous voyez, euh, déjà, ça, c'est 30 des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Ça, en processus direct et ça, en processus amont. Bah ça, on ne va rien changer avec des éoliennes. Hein. On ne voit pas trop ce qu'on va faire là-dedans avec des éoliennes. Euh, et enfin, ici, vous avez d'autres processus, le traitement des déchets, euh, les fluides frigorigènes, euh, etc. De fait, une partie significative de ces émissions vient de l'énergie. Mais pas tout. Pas tout. Donc les émissions hors énergie, ça représente quand même un gros 40% des émissions planétaires. Un gros 40%. Donc déjà ces émissions-là, c'est sûr que ce n'est pas en plantant des éoliennes que je vais m'en occuper. Ça c'est sûr. Alors maintenant on va s'occuper des éoliennes et donc on va s'occuper de l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme euh, pré-retraité. Enfin moi non maintenant il présente le loto. Moi je trouve que c'était plus rigolo de présenter ce jeu, mais bon. Euh, il aurait pu demander euh, à une assistance euh, de répondre à la question qui est qu'est-ce que l'énergie Je ne sais pas si en Suisse, il y a un, un, un membre du gouvernement fédéral qui est en charge de l'énergie, si euh, mais en France, on a un ministre de l'énergie, enfin, on a un ministre chargé de l'énergie depuis longtemps, et euh, je ne suis pas complètement sûr que le ministre en charge du portefeuille saura répondre à cette question. Pas sûr. Quand on vous dit énergie, il y a dans nos cervelles un certain nombre de réflexes pavloviens euh, qui peuvent euh, survenir. Je vais vous en proposer quelques uns, dont aucun, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, ne correspond à la bonne réponse. Dans la salle dans laquelle je suis, je pense que le premier réflexe pavlovien qui vous viendrait à l'esprit, c'est celui là. L'énergie, c'est une affaire de pognon. Ah, les énergies renouvelables coûtent moins cher que le nucléaire, faut investir, donc elles vont se développer. Euh, ah, euh, le gaz coûte plus cher ou moins cher que je ne sais pas quoi, euh, donc voilà pognon. D'accord Facture. Alors, manque de pot, cette vision-là nous induit doublement en erreur. La première raison pour laquelle ça nous induit en erreur, c'est que quand vous regardez ce que le monde paye pour son énergie rapportée à ce que le monde gagne, eh bien, il se trouve que l'énergie est une petite facture. La totalité des achats de pétrole, de gaz et de charbon dans le monde, ça représente quelques pourcents du PIB mondial. Et à partir du moment où l'énergie est une petite facture, eh bien, on va y passer une petite fraction du temps. Je ne pense pas que la quasi-totalité des analystes financiers, s'il y en a dans cette salle, et ceux que vous employez ou auxquels vous avez affaire, centrent la totalité de leurs analyses sur les perspectives économiques d'une entreprise à partir de sa dépendance à l'énergie. Pas complètement sûr, d'accord Je suis même sûr de l'inverse. Bon. Donc, à partir du moment où c'est une petite facture, on va y passer une petite fraction de son temps. Or, c'est ne pas comprendre qu'on peut très bien représenter une petite fraction de quelque chose et pourtant avoir une importance cruciale. Par exemple, votre cervelle ne représente que 2% de votre poids. Et je suis désolé de le dire dans cette salle, les testicules des hommes, une fraction encore plus faible de leur masse. Et pourtant, ça a quand même un tout petit effet sur leur comportement. Hein euh, alors, on peut couper les testicules, les gens survivent. Et du reste, ils chantent plus aigu. Par contre, si je vous coupe votre cervelle, là, c'est sûr que vous survivez pas. Donc, si je vous supprime 2% de votre poids, en vous enlevant votre cervelle et même la moitié de votre cervelle, je ne vous ai pas supprimé 1% de votre efficacité, 1% de vos charges, je ne sais pas quoi, vous êtes mort. Bon. Donc le fait que l'énergie ne vaille que quelques pourcents de ce qu'on dépense, ce n'est pas la bonne réponse, parce que ce que vous allez voir un peu plus tard, c'est que 100% du monde moderne et 100% de ce qui vous fait vivre dans cette salle en dépend. 100% de ce qui vous fait vivre dans cette salle en dépend. Vos revenus sont dépendants jusqu'à la moelle de l'existence d'un monde dopé aux énergies fossiles. La totalité de vos revenus sont dépendants de ça. Donc première mauvaise réponse. Après, il y a une deuxième euh, réponse que vous avez souvent qui est ⁇ Ah, vous savez, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. ⁇ Si vous tapez, je suis désolé, j'ai oublié de vous mettre l'image, mais euh, vous ferez l'exercice chez vous euh, plus tard, parce que tout de suite, vous n'avez pas le droit de regarder votre smartphone. Euh, si vous faites l'exercice de taper dans un moteur de recherche, la meilleure énergie. Juste la meilleure énergie. Et vous regardez ce que le moteur de recherche vous suggère de rajouter comme complément à votre requête. Vous verrez, je ne vous mens pas, Alors faites ça sur Google, je suis sûr que ça marche. Euh, il vous suggère de rajouter et celle qu'on ne consomme pas. En français. Alors, je n'ai pas fait en anglais le test, mais en français, je suis sûr que ça marche. Eh bien, manque de peau, la meilleure énergie est celle qu'on consomme. C'est quand même ballot. Et du reste, si la meilleure énergie était celle qu'on ne consomme pas, expliquez-moi cette courbe. Expliquez-moi cette courbe. Expliquez-moi pourquoi depuis qu'on utilise de l'énergie, on n'arrête pas d'en consommer de plus en plus. Si la meilleure c'est celle qu'on consomme pas. Il faut quand même être stupide, si la meilleure est celle qu'on consomme pas, pour en consommer de plus en plus. Non Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi, quand j'ai la meilleure viande séchée, j'ai pas envie d'en consommer de plus en plus. J'ai pas envie d'en consommer de moins en moins. Et au contraire, si on me demande de manger un truc infect chez ma belle-mère, j'ai envie d'en manger le moins possible, et donc je ne vais pas me gaver, quoi. Bon, donc euh, là, manifestement, c'est la meilleure énergie et celle qu'on consomme. Hein. Euh, et vous verrez du reste que euh, on la consomme euh, quoi qu'il se passe par ailleurs. Et c'est essentiellement de l'énergie fossile. Alors vous allez me dire ouais enfin maintenant on développe les renouvelables machin c'est un peu moins vrai. Alors c'est vrai qu'on développe les renouvelables c'est le machin rose que vous avez là. Ça c'est les nouvelles renouvelables dans l'approvisionnement énergétique mondial. Donc c'est la somme avec en plus la convention la plus favorable possible c'est l'équivalent primaire pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ça de l'éolien donc l'air rose là vous représente l'éolien et au-dessus, vous avez le solaire que vous arrivez à voir si vous avez de très bons yeux. C'est un tout petit filet jaune là. Et encore au-dessus, euh, vous avez euh, la, la, la géothermie et euh, je sais pas, ah, non, les, les, les agrocarburants. Pardon. Et le, le rose, c'est l'éolien, plus le solaire, plus le marémoteur, plus le houlomoteur, plus le biogaz, plus la géothermie, euh, plus tous les trucs qui excitent les journalistes et qui remplissent les colonnes de journaux. Alors ça remplit peut-être les colonnes de journaux, mais ça remplit pas les réservoirs. Euh, pour le moment, c'est totalement anecdotique dans l'approvisionnement énergétique mondial. Et la bonne question est de savoir si ça peut devenir principal aux horizons de temps des promesses politiques. Et là, s'il y a des gens un peu joueurs dans la salle, on va tout de suite chez le notaire en sortant d'ici, parce que moi, je vous parie toutes mes économies contre les vôtres que non. Donc s'il y a des gens un peu joueurs dans la salle, on y va, il n'y a aucun problème. Euh, c'est tout de suite. Petite observation du passé. Ici, vous avez la part de chaque énergie dans l'approvisionnement énergétique mondial. Et vous avez une courbe ici sur laquelle j'attire votre attention, qui est la part des combustibles fossiles dans l'approvisionnement énergétique mondial. Eh bien, vous voyez que la révolution industrielle, c'est augmenter la part de ces combustibles fossiles jusqu'à les mettre à 80%, et depuis, c'est à 80%. Alors, ça monte un peu, ça baisse un peu, en fonction des proportions respectives de charbon et de gaz, du développement du nucléaire, du développement. Mais ça reste à 80%, quoi. Voilà. C'est désespérément à 80% depuis 50 ans. Donc, l'idée que ce truc-là va descendre à zéro en 20 ans, à no cost, d'un claquement de doigts, je le redis, s'il y a des gens qui parient dans la salle, je prends les paris, demande s'il y a un notaire dans la salle aussi, je le réquisitionne, et on prend les paris tout de suite. Je vous parie la totalité de vos assets under management contre mes modestes économies, euh, je, sans hésiter une seule seconde. Je prends le risque, je, sans hésiter une seule seconde. Ça veut dire évidemment quelque chose de très désagréable que vous commencez à voir arriver, mais je serai un peu plus explicite plus tard, qui est que de régler le problème du changement climatique sans diminuer massivement la quantité d'énergie qu'on utilise, jamais on n'y arrivera. Et donc là, on va rentrer dans une deuxième question qui est-ce qu'on sait diminuer massivement la quantité d'énergie qu'on utilise sans diminuer massivement le système économique mondial Ça va être ça la question. Bon, pour le moment, je ne vous réponds pas. Donc deux mauvaises réponses. Troisième réponse ah, revoici les éoliennes. Il faut 100 renouvelable. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est possible. C'est tellement possible qu'on l'a déjà fait. Voilà par exemple un moment où on l'avait fait. Voilà un monde 100 renouvelable. La Suisse il y a deux siècles était 100 renouvelable. Aucun problème. 100 renouvelable. Vous avez ici un monde dans lequel les transports sont renouvelables, euh, l'énergie est renouvelable, les transports maritimes sont renouvelables, les, tout est renouvelable là-dedans. Il n'y a strictement aucun problème. Alors, la seule petite condition aux limites, c'est que pour le moment, on sait faire avec 500 millions d'habitants sur Terre et 30 ans d'espérance de vie à la naissance. Voilà, c'est juste ça, la petite condition aux limites qu'il faut avoir en tête. Sinon, ça pose aucun problème. Alors, évidemment, avec un peu de chance, en passant de 8 milliards à 500 millions, et quelques emmerdeurs qui disparaîtront au passage, il faut espérer que ça tombe juste sur eux. Mais euh, vous comprenez bien en voyant ça que reproduire... Le monde moderne, avec juste les énergies du monde ancien dont nous sommes sortis. En fait, les énergies renouvelables, c'est les énergies dont nous sommes sortis. Voilà, par exemple, la marine renouvelable d'il y a deux siècles. Et on s'est dit, c'est mieux de faire ça. Bon. Voici des transports terrestres renouvelables d'il y a deux siècles. Et on s'est dit, c'est mieux de faire ça. Et puis, voici l'agriculture renouvelable d'il y a deux siècles. Et on s'est dit, c'est mieux de faire ça. Voici de l'industrie renouvelable d'il y a deux siècles. Et on s'est dit, c'est mieux de faire ça. Et voici un panorama. De, euh, il y a 1000 ans, ou 2000 ans, et il y a un siècle. Alors si on pouvait faire une civilisation industrielle avec juste des éoliennes, deuxième petite question pour cette salle, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'attendre le pétrole pour y arriver Si la civilisation industrielle marche juste avec du solaire et de l'éolien, le solaire et l'éolien, ça fait des milliers d'années qu'on en a. D'accord On a des moulins en Europe depuis 2000 ans et du solaire depuis euh, 500 000 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une civilisation industrielle avec juste ça, si c'est suffisant Pourquoi voilà. Donc, peut-être que la question, c'est que ce n'est pas suffisant. Petit calcul physique. Imaginons que je prenne, alors au premier ordre, c'est à peu près le volume d'air de cette salle, euh, je prends le volume d'air de cette salle et je le fais souffler à 80 km/h, 45 nœuds pour ceux qui font de la voile sur le léman euh, ou pour ceux qui font euh, de l'aéronautique. Euh, donc, 45 nœuds, le bol d'or commence à ne pas, pas trouver ça très drôle. Euh, J'imagine que je fais passer ce vent à ce moment dans une éolienne. Donc je vais obtenir de l'énergie. Je mets en action les pales de l'éolienne et j'obtiens de l'énergie. et bien, la quantité d'énergie que je vais obtenir en faisant passer dans une éolienne le volume d'air de cette salle qui souffle à 80 km/h, c'est la même que celle que j'ai en faisant brûler ça de pétrole. La même. Alors, à votre avis, Qu'est-ce qui va être le plus simple pour les hommes et les femmes, soyons paritaires Est-ce que c'est d'extraire l'énergie de 1000 000 de, mètres cubes de vent quand il veut bien souffler Des fois, il n'y en, en a pas. Je veux dire, euh, en fait, il se trouve que je connais un peu le Valais puisque j'y viens assez souvent en vacances, euh, et donc je constate que sur le lac Léman, de temps en temps, il y a des gens qui sortent en voilier, mais c'est pour dire qu'ils ont utilisé leur bateau. Je veux dire, la voile, le pendouille lamentablement, la commande drapeau en berne, euh, c'est juste pour dire qu'ils sont allés sur l'eau, quoi. Bon. Donc, euh, le, le, à votre avis, est-ce que c'est plus simple d'avoir ça en volume d'une énergie extrêmement concentrée qu'on peut utiliser quand on veut Ou est-ce que c'est plus simple d'avoir ça en volume d'énergie extrêmement diffuse qui arrive quand elle en a envie Bien évidemment, vous avez la réponse. C'est la deuxième. Ça explique pourquoi l'éolienne aujourd'hui vous fournit un kilowattheure. Fatal, c'est-à-dire sans stockage à quelques centimes. Si vous rajoutez le stockage, vous pouvez multiplier ça par 3 à 6, alors que sorti du désert saoudien, le kilowattheure de pétrole vous vaut une fraction de centimes, c'est-à-dire des dizaines de fois moins. Et ça, c'est dans un monde dans lequel l'éolienne moderne est fabriquée avec des combustibles fossiles. Puisque déjà pour vous sortir l'éolienne performante qui vous sort le kilowattheure à 4 centimes, vous avez bénéficié du charbon pour faire la métallurgie et le mât en acier. Vous avez bénéficié du pétrole pour acheminer les composantes de l'éolienne depuis la Chine où elles sont fabriquées, parce qu'il n'y a pas plus mondialisé que le solaire et l'éolien, hein, tout est fait en Chine, euh, jusqu'à euh, l'énergie 22 allemande ou suisse. Et vous avez bénéficié du gaz pour faire le ciment du plot de l'éolienne. Si maintenant je supprime tout ça, pensez que l'éolienne reste à 4 centimes le kilowattheure Si on fait les éoliennes suisses avec le cuivre suisse, vous savez, à la télé, là, il y a les œufs suisses, lait suisse. Alors maintenant, on va prendre cuivre suisse. Euh, aluminium suisse, fer suisse, silicium suisse, euh, magnésium suisse, zirco... enfin, tout suisse quoi, d'accord? Euh, extrait de terre assemblé et transporté avec des éoliennes suisses et des panneaux solaires suisses. Juste ça, pour faire la métallurgie amont, la chimie amont, etc. A votre avis, vous pensez que le kilowattheure reste à 4 centimes? Vous pouvez le multiplier par 20, hein facile, d'accord. Donc aujourd'hui, la deuxième chose contre laquelle je vous mets en garde ne croyez pas qu'on peut dériver du marginal sur du moyen. Le monde financier passe son temps à faire cette erreur, d à ne pas voir les effets systèmes. On ne peut pas dériver du marginal sur du moyen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, un pseudopode marginal de notre civilisation dopée aux énergies fossiles vous sort de l'éolien à 4 centimes que vous pouvez bâtir une civilisation avec le principal venant d'éoliennes qui sont toujours à 4 centimes. Ça, c'est une énorme erreur de raisonnement. Alors, Je la vois en permanence. Les derniers à avoir sorti ce genre de conneries, c'est Lazare, avant euh, New Bloomberg, New Energy, Finance, etc. Le, 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 on passe notre temps dans le monde économique à dériver des raisonnements linéaires à partir du marginal. C'est faux. Si un de mes étudiants fait ça, je lui colle zéro direct. Donc, trois mauvaises réponses. En fait, la bonne réponse, vous allez la voir là maintenant, en fait, l'énergie, c'est Iron Man en pièces détachées. Voilà, c'est ça l'énergie. L'énergie, en fait, en physique. C'est ce qui caractérise la transformation du monde. L'énergie, en fait, c'est ce qui vous quantifie le changement d'état d'un système, pour ceux d'entre vous qui ont des vieux souvenirs dans cette matière aride qui s'appelle la physique. Donc c'est une grandeur physique, et ça vous sert à quantifier combien un système change. C'est ça, le, le, la physique. Alors, application pratique, pour utiliser de l'énergie, il vous faut un système qui change, c'est-à-dire un convertisseur, c'est-à-dire une machine. Donc en fait, l'énergie, c'est des croquettes pour machine, qui sert à faire Iron Man pour de vrai. Votre bras gauche est devenu un laminoir. Votre pied droit est devenu un euh, camion de mine. Vous savez, ces camions avec les roues qui font 5 mètres de diamètre, euh, le camion qui fait 40 mètres de hauteur, etc. Un truc totalement gigantesque. Votre œil gauche est devenu un télescope. Votre oreille droite est devenue un satellite. Votre narine est devenue un aspirateur, etc. D'accord L'énergie, c'est Iron Man en pièces détachées. C'est ça, l'énergie. C'est des croquettes pour machines qui nous ont permis de devenir totalement surpuissants. Alors maintenant, euh, je vais faire un petit test. Qui, dans cette salle, a déjà fait, normalement vous n'êtes pas très loin des montagnes, donc vous devriez y arriver, a déjà fait euh, 4000 mètres de dénivelé dans la journée Pas mal. Euh, eh bien, en faisant 4000 mètres de dénivelé dans la journée, vous avez réussi à fournir 1 kWh d'énergie mécanique. Juste ça. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Et euh, en faisant ce genre d'effort, vos jambes ont fourni une puissance d'environ 100 watts en moyenne sur la journée. 100 watts. Qui maintenant a déjà fait de la soupe avec un mixeur à soupe dans la salle Il n'y a pas beaucoup plus que des gens Dis donc, vous avez des serviteurs partout ou quoi Vous ne faites jamais de la soupe. Alors je repose la question, qui a déjà utilisé un mixeur à soupe Vous n'êtes toujours pas très nombreux. Hein euh, vous devriez essayer, c'est une expérience intéressante. Alors, euh, quand vous avez, qui connaît la puissance de son mixeur à soupe C'est quoi la puissance d'un mixeur à soupe 100 watts, c'est un petit mixeur à soupe. C'est un vieux mixeur à soupe. Vous allez aujourd'hui euh, dans n'importe quel supermarché pour vous acheter un mixeur à, mixeur à soupe. En fait, vous allez avoir un engin qui fait 300-400 watts. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton du mixeur à soupe, vous mettez en action quatre fois la paire de jambes de monsieur là-bas qui est capable de faire 4000 mètres de dénivelé dans la journée. Quatre fois ces paires de jambes que vous mettez en action instantanément. Qui a déjà passé un aspirateur Ah, vous êtes plus propre que gourmand. C'est quoi la puissance moyenne d'un aspirateur Un kilowatt. Très bien. Un peu plus même maintenant parce que c'est un peu plus gros. Donc vous appuyez sur le bouton de l'aspirateur, il y a dix fois les jambes de monsieur qui se mettent en action. Il se met à pédaler pour vous. Je pense qu'il est plus payé du reste euh, que le prix de l'aspirateur. Euh, donc ça vous coûte beaucoup moins cher euh, d'appuyer sur le bouton de l'aspirateur que de faire pédaler dix fois monsieur, au prix auquel il est payé. Qui euh, d'entre vous, comme euh, monsieur Bérou chez nous, est déjà monté sur un tracteur Ah, quelques propriétaires fonciers dans cette. Eh bien, quand vous montez sur un tracteur, vous avez 600 fois les jambes de monsieur qui se mettent en action. Ou vous avez 60 chevaux de trait. Comme vous voulez, euh, qui se mettent en action pour vous. Qui a déjà manipulé un engin de chantier, une pelle mécanique, un sol. Alors là, c'est plus les. Je suis désolé, c'est plus les jambes. On va passer aux bras. Euh, vous prenez un engin mécanique de quelques centaines de kilowatts, un euh, gros. Euh, vous avez des milliers de paires de bras qui se mettent en action pour vous, d'accord, instantanément. Voilà, je continue. Un camion, c'est des milliers de paires de jambes. Et un laminoir industriel. Je ne sais pas s'il y en a un, un laminoir en Suisse ou pas Vous avez un laminoir Non Vous importez l'acier laminé Je sais que vous importez les voitures, ça c'est sûr. Euh, je ne sais pas si vous importez. Bon, bref. En France, on a quelques laminoirs. On en a un à Dunkerque, on en a un à fos sur mer euh, Et bien, quand le laminoir de Dunkerque lamine, c'est comme si j'avais démultiplié par 10 millions. Donc c'est comme si je mettais toute la population suisse avec un marteau dans les mains à taper sur la tôle. Donc il n'y a plus de financiers en Suisse, vous êtes tous en train de taper sur des tôles, pour remplacer un laminoir qui, à l'instant où je vous parle, est actionné par une personne. Donc lui, pour le coup, c'est vraiment Iron Man, à tous les sens du terme. Hein il a démultiplié, le jour où il rentre dans la cabine de pilotage, il a démultiplié la puissance de euh, son action par 10 millions. Ce que je suis en train de vous dire là aussi, soit dit en passant, je j'y reviendrai, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est plus nous qui bossons. Nous, on a le temps de causer dans des salons luxueux et d'écouter des conférences dans des salons luxueux parce que les machines bossent à notre place. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qui fait la production mondiale, ce n'est plus les hommes, c'est les machines. Les hommes sont juste là pour s'amuser avec la production mondiale. Alors, on s'amuse en faisant du high frequency trading, on passe le temps, quoi. Mais on ne produit rien. D'accord On ne produit plus rien. On s'amuse. On joue à des jeux vidéo, c'est presque pareil. Euh, et on s'amuse pour un prix qui est ridicule. Alors maintenant, je ne vais plus parler puissance, je vais parler énergie. Donc voilà l'exercice que tout à l'heure euh, monsieur euh, a fait. Euh, bon, vous ne devez pas être très loin de 80 kg vu, vu de là où je suis. Euh, admettons que votre camelback soit vraiment très rempli parce que vous avez beaucoup transpiré. Euh, donc je vous colle 10 kg sur le dos. Et alors je vais être un peu plus modeste. Euh, vous ne euh, faites pas 4000 mètres, vous vous contentez de 2000. Allez, tant pis pour vous, vous serez un peu frustré. Bon. Eh bien, si vous faites cet exercice, donc là c'est plus un, c'est un demi-kWh d'énergie mécanique que vous fournissez dans la journée. Euh, pour ceux d'entre vous à qui ça rappelle des vieux souvenirs, euh, ce calcul est tout bêtement fait en faisant E égale MgH. Hein. Donc je prends la masse fois la, la traction euh, gravitationnelle fois la hauteur. Euh, c'est donc dans le sens inverse, l'eau qui descend du barrage de la grande Dixence euh, pour actionner la turbine. Là, on monte. Si vous faites ça un jour sur deux, vous fournissez 100 kWh par an d'énergie mécanique. Maintenant, si vous faites un grand trou dans la Terre... Pour, je sais pas pourquoi vous décaissez la Terre Parce que vous avez besoin. Donc Vous décaissez 15 tonnes de Terre. Hein, 6 m3 de Terre, c'est à peu près 15 tonnes de Terre. Là, malheureusement, vous êtes dix fois plus ridicule que mon grimpeur. C'est 0,05 kWh d'énergie mécanique fournie de façon unitaire. Et si vous faites ça un jour sur deux, autre que vous aurez mal au dos et des ampoules, vous avez fourni 10 kWh d'énergie mécanique à la fin de l'année. 10 kWh d'énergie mécanique, c'est la même chose que le contenu thermique de la combustion d'un litre d'essence. Un litre d'essence contient 10 kWh de chaleur. Alors évidemment, vous ne convertissez pas ça en totalité en énergie mécanique, M. Carnot vous l'interdit, mais il n'empêche que dans un litre d'essence, qui coûte le prix absolument scandaleux de 1 franc 40 ou 1 franc 50 dans ce pays, vous avez la même capacité à modifier l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Dans un litre d'essence. Évidemment, ce n'est pas le même prix. Si vous prenez le salaire minimum français, qui est très en dessous du salaire minimum suisse, nous, nous sommes des gens raisonnables. Eh bien, euh, vous allez payer votre kilowattheure d'énergie mécanique euh, que quelques centaines à quelques milliers d'euros, alors qu'en face, la machine vous rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes. Et voilà pourquoi votre pouvoir d'achat est ce qu'il est. Et voilà pourquoi les classes moyennes ont émergé. Et voilà pourquoi nous avons tous la possibilité de nous offrir pour 35 heures par semaine tout un tas de trucs dont un paysan du Moyen Âge n'aurait même pas osé rêver dans ses délires les plus fous. Nous sommes tous devenus des nababs à cause de ça. Tous. Alors vous êtes un peu plus des nababs que la moyenne dans cette salle, mais nous sommes globalement tous devenus des nababs. C'est aussi pour ça que euh, l'esclavagisme a disparu. Parce que si vous prenez un esclave, ce qui est en général pas une vocation de jeunesse, alors il y a peut-être deux ou trois endroits secrètement euh, enfin connus connu seuls des initiés dans Genève où euh, on y va pour ça, mais sinon, en général, c'est pas une vocation de jeunesse d'être esclave. Donc si vous prenez un esclave, vous allez avoir euh, besoin de payer pour prendre une personne contre sa volonté et la mettre quelque part. Ensuite, vous avez besoin de la nourrir et de l'empêcher de vous trucider, comme dans Django. Euh, donc tout ça va vous coûter de l'argent. Eh bien, si vous regardez le coût du, du kilowattheure mécanique venant d'un esclave, vous vous rendez compte que même ça, ça va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'a rien contre sa condition de machine, se met pas en grève, a pas besoin de prendre de vacances et travaille pour vous H24. Donc la raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu sur Terre, c'est pas parce que vous êtes devenus bons alors que vos ancêtres étaient maléfiques, vous êtes ni plus ni moins tordu que vos ancêtres, on a le même code génétique et moi pareil du reste. C'est tout simplement parce qu'il n'y a aucune espèce de rationalité à s'emmerder à servir nos semblables qui ne sont pas efficaces, qui se révoltent et qui vous trucident, alors que la machine est beaucoup plus efficace pour beaucoup moins cher. Quand l'énergie commencera à devenir limitée, on verra réapparaître des comportements malheureusement pas sympathiques des hommes les uns envers les autres, parce que nous aurons cet auxiliaire qui deviendra de plus en plus difficile à euh, mobiliser. Alors voilà la quantité de croquettes pour machines mobilisée par individus depuis un siècle et demi. Je ne vais pas commenter ça longuement. Euh, voilà tout ça, je vous l'ai déjà dit. Je vais juste commenter la partie finale, qui est que vous voyez que l'approvisionnement énergétique par personne aujourd'hui est un peu plus de 20 000 kWh par personne et par an. Et avec ma petite équivalence, qui est qu'un homme au travail, c'est 100 kWh d'énergie mécanique grand max, mais 10 pour certains. Allez, je fais du 1 pour un, grosso modo. Ça veut dire que, en gros, L'humanité, grâce à l'énergie, c'est-à-dire aux machines, a démultiplié la capacité à transformer l'environnement par un facteur, asseyez-vous bien, de plusieurs centaines. Donc je vais vous le redire autrement. Grâce à l'énergie et aux machines, le PIB mondial est 200 fois plus élevé que ce qu'il serait si nous n'avions pas les machines. Donc si nous n'avions pas les machines, vous seriez out of business, tout autant que vous êtes dans cette salle, et moi aussi du reste. Je suis un enfant des machines, vous êtes des enfants des machines. Ce qui fait aujourd'hui l'économie mondiale nécessiterait 1 400 ou 1 600 milliards d'individus pour être équivalent en termes de flux, de tables, de chaises, de vêtements, etc., et de smartphones, si on n'avait pas les machines. Alors évidemment, on n'y arriverait jamais même dans les délires les plus fous d'Elon Musk. Hein. Donc, le, ce qui fait le monde moderne et l'économie moderne, c'est les machines. Et donc, Iron Man en pièces détachées avec ses croquettes pour machines très particulières, qui, en plus, ont la très bonne idée de venir du sous-sol et de nous laisser la totalité de la surface pour nos besoins alimentaires, ce qui n'était pas le cas il y a deux siècles parce qu'on avait besoin des animaux de trait qui occupaient une partie de l'espace parce qu'ils avaient besoin de croûter. Et aussi, on les mangeait enfin, mais quand même. Eh bien, à multiplier donc la puissance de l'humanité par 200. En Occident, on est plutôt à 500 et dans cette salle, on est plutôt à 2000 Dit autrement, votre niveau de vie à vous et à moi, euh, c'est plutôt euh, 2000 esclaves qu'il nous faudrait pour l'avoir, plutôt que 200 euh, comme l'humanité dans son ensemble. Alors, ce euh, mode de vie a totalement euh, déformé la structure des métiers. Malheureusement, je n'ai pas le temps là parce que je vois l'heure qui tourne, donc euh, je n'ai pas le temps de faire ça. Euh, je vais passer à euh, plus loin et je vais directement venir à l'artefact économique et puis je vais finir par ça. Voilà, et alors là-dedans, il y a des gens qui n'ont pas vu le coup venir c'est-à-dire les économistes classiques il y a deux siècles euh, il y a deux siècles au moment où on commence à théoriser euh, l'économie on dit l'économie doit compter ce qui est limitant pour la production alors il y a deux siècles le monde est infini on vient à peine de découvrir l'Amérique, on n'a pas fini de trucider les Indiens, euh, l'Antarctique on ne sait pas où il est, on n'est pas descendu dans la fosse des Mariannes, euh, enfin on ne sait même pas qu'il y a l'Antarctique du reste. Euh, donc euh, le monde est tellement grand et l'humanité pas trop nombreuse, on est 500 millions des, essentiellement des agriculteurs, que à ce moment-là les gens qui théorisent l'économie se disent fond ce qui est limitant pour la production, qui est essentiellement agricole. Bon, c'est le nombre de gens qui peuvent travailler, plus il y a de gens qui travaillent, plus on peut mettre des champs en culture, et puis le capital humain déjà accumulé, donc les charrues et les terres, quoi, en gros, donc, et les usines. Voilà. Donc à ce moment là, euh, nos amis de l'époque euh, nous disent euh, Je vais me limiter à ce qui vient des hommes comme facteur limitant de la production, le reste je m'en fous, je compte pas. Et comme je le compte pas, je le dis, je dis je compte pas, je dis les ressources naturelles sont gratuites. Donc, à l'époque, M. Say dit, par exemple, 20% d'oxygène dans l'air, ça vaut zéro. Si je retire 20% d'oxygène dans l'air et que je vous mets sur la Lune, certes, peut-être que ça vaut zéro, mais le PIB tombe à zéro aussi. D'accord C'est un peu compliqué d'avoir un PIB prospère dans une atmosphère pas respirable. Du tout, je veux dire, vous mourrez. Hein. Et si les conditions climatiques sur Terre font que euh, les 35 degrés s'étendent partout avec 100% d'humidité, le PIB tombe à zéro aussi. Or, le système climatique n'est pas représenté dans cette convention par définition. Les ressources sont gratuites. Et deux siècles après, l'économie avec laquelle vous travaillez, l'économie avec laquelle je travaille, puisque je suis chef d'entreprise, donc des euros, j'en manipule tous les jours. Hein, tous les jours, je vois ce que c'est qu'une facture euh, émise ou à payer, un salaire, etc. Eh bien, a été bâtie avec deux facteurs de production, et vos analyses financiers, y raisonnent comme ça euh, le travail et le capital humain, et il suffit d'avoir du travail et du capital, et à ce moment, le supermarché est rempli. Et si jamais la production n'est pas suffisante et que ça pose un problème, je pas quoi. On botte le cul des banquiers, on botte le cul des chômeurs et hop, la machine repart de l'avant. Alors il ne vous aura pas échappé que depuis 2008, ça ne marche pas comme ça. On a beau botter le cul des chômeurs et botter le cul des banquiers, la machine ne repart pas. Euh, C'est-à-dire que les gisements de croissance résiduels, ils sont hors OCDE et en OCDE, la croissance est factice. Euh, c'est de l'inflation d'actifs pour l'essentiel. Il euh, n'y a pas plus de mètres carrés construits par an, il y en a moins. Il n'y a, euh, a pas plus de tonnes chargées dans les camions, il y en a moins. C'est de la croissance totalement factice euh, qu'on a fait depuis 2008 euh, dans la zone OCDE. Et alors la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas une bonne représentation du système. Il y a d'autres facteurs limitants. Il y a un premier facteur limitant qui sont les ressources. Tout ce que vous avez dans cette salle, c'est des ressources transformées par notre activité. Il n'y a pas un seul truc dans cette salle qui relève de la génération spontanée. Un Harry Potter a agité un grand coup sa baguette magique en suro. Et à ce moment, paf, il apparaît une lampe. Non, non, cette lampe, elle existe parce qu'il y a tous les atomes constitutifs de cette lampe. On est allé les chercher dans l'environnement et on les a transformés avec des machines, elles-mêmes faites avec des ressources transformées. Donc on a eu besoin des ressources. D'accord Si je suis au milieu du vide intersidéral, j'ai pas les atomes pour faire cette lampe. Donc je ne fais pas de lampe. Je peux faire cette lampe parce que j'ai les atomes. Qui me permettent de faire cette lampe sur Terre. Donc, c'est des ressources. Juste, ce n'est pas sous la forme sous laquelle on aimerait les trouver, donc on va les transformer. Et la transformation, en physique, c'est du travail, c'est ça la transformation. Et cette transformation, avec ce que, je vais vous ce que je vous ai expliqué avant, doit un tout petit peu à nos muscles, essentiellement au parc de machines et à leur croquette spéciale qui s'appelle de l'énergie. C'est ça le système productif mondial. Le capital là-dedans, c'est juste une boucle interne au système. Cet immeuble a été fait en transformant des ressources, exactement comme vos chaussettes ou des œufs qui ne sont pas des éléments de capital. Enfin, si vous avez un stock d'œufs euh, chez, un, chez un éleveur de poussins, ça devient du capital, mais enfin chez vous, non. Donc euh, le, le système productif physiquement, il a d'autres facteurs limitants, qui sont les ressources. Et en fait, ici, tous les facteurs limitants sont présentés, euh, puisque vous avez les ressources qui sont limitantes, le nombre de gens pour actionner les machines, puisqu'aujourd'hui on ne sert plus qu'à ça, actionner des machines qui sont limitantes, et le nombre de machines et l'énergie qui alimente les machines. Voilà, tout ça, c'est les facteurs limitants aujourd'hui. Mais là-dedans, ils ne sont pas tous représentés dans les chiffres que vous manipulez. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas un seul modèle macroéconomique au monde qui soit prédictif. Évidemment, il n'y a pas un seul modèle économique au monde qui représente la réalité physique. Si vous voulez, je rigole un grand coup, regardez les prévisions macroéconomiques des 20 dernières années, année par année, et comment ça s'est comparé à ce qui s'est vraiment passé. Moi, si j'ai un responsable marketing au sein de Carbon 4 qui s'amuse à me faire ce genre de truc trois années de suite, je le vire. Quoi. Je ne le garde pas. Non, non, dans le monde économique, on les garde, puis on continue à écouter les conneries. Mais. Voilà. Alors, euh, voici quelques, euh, j'ai envie de dire, euh, traduction concrète de ce que je viens de vous dire. Vous avez ici une reconstruction du PIB mondial depuis. Alors je suis désolé, euh, Excel a tendance à mettre le début de l'axe des abscisses à zéro, mais là il s'agit du calendrier romain, donc j'aurais dû mettre un. Euh, donc depuis la naissance de M. Jésus-Christ, euh, voici à quoi ressemble le PIB mondial. Alors vous voyez que pendant très très longtemps, la croissance n'a pas été un sujet de débat euh, parce qu'il n'y avait pas de croissance. Euh, et retenez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas non plus de démocratie. Gérer l'absence de croissance dans un monde démocratique, j'attends de voir, mais pour le moment, ça ne me paraît pas trivial. Promettre plus aux élections quand il n'y a physiquement pas la possibilité de faire plus. Hein je ne suis pas complètement sûr que ce soit si facile à faire euh, jusqu'au début de la révolution industrielle alors il commence à y avoir des poches de croissance la Grande-Bretagne etc il y a une proto-révolution industrielle au Moyen-Âge il euh, y a la Renaissance etc mais enfin ça fait quand même pas grand chose et puis alors là arrivent les combustibles fossiles et alors là ralovlis -le bon. et euh, les économistes nous inventent cette grande farce qui s'appelle la croissance structurelle de long terme je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens dans cette salle qui ont entendu cette expression que de gens qui ont manipulé un mixeur à soupe je me trompe la croissance structurelle de long terme. C'est une vaste blague, la croissance structurelle de long terme. Comment voulez-vous faire croître structurellement à long terme n'importe quoi sur une planète qui faisait 13 000 km de diamètre il y a deux siècles, qui en fera toujours 13 000 dans deux siècles et qui fera toujours 13 000 km de diamètre dans un milliard d'années Ce que vous voulez faire croire structurellement à long terme. Sinon, nos illusions, tant que ça dure. Évidemment que ça ne marche pas. Alors pour le moment, on n'y est pas encore. Ça marche encore, euh, mais ça ne sera pas structurel de long terme. Vous avez ici le meilleur modèle macroéconomique que je connaisse, qui est une approximation des dernières années. Ça s'appelle une droite. C'est quand même beaucoup plus simple à manipuler que tous les modèles qui portent des noms compliqués. C'est une droite, ça marche très, très bien. Alors la droite, elle vous dit quoi Elle vous dit, dis-moi combien d'énergie, c'est-à-dire combien de machines tu mets en fonctionnement, et je te dirai quelle est la production de ces machines dont je suis capable de donner une contrepartie économique qui s'appelle le PIB. C'est très très simple. Est-ce que vous voyez là-dedans des monceaux d'efficacité énergétique qui conduiraient les points à se comporter très différemment Moi, je ne les vois pas. Aussi, la courbe est très légèrement convexe. Bon, il y a un peu d'efficacité. D'accord Donc là, je vais vous proposer une première conclusion. Contracter fortement l'énergie qu'on utilise sans contracter le PIB, c'est juste impossible parce que c'est les machines qui bossent pour nous. Donc respecter les 2 degrés sans récession, nous n'y arriverons jamais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on ne respecte pas les 2 degrés, on aura une récession de toute façon parce que l'environnement nous pètera entre les doigts. Donc, en fait, à partir de maintenant, notre choix, c'est je contracte de manière gérée ou j'attends que les catastrophes s'en occupent pour moi. C'est ça l'équation. D'accord C'est désagréable. Hein c'est désagréable. Enfin bon, vous étiez dans cette salle, vous êtes bien élevé, vous n'êtes pas parti encore de route. Euh, et euh, vous avez ici exactement euh, la même chose traduit sur le CO2. Donc vous voyez pour le moment le découplage massif, on l'attend. Et en fait ça, ma théorie, c'est que c'est le reflet du quantitative easing essentiellement, c'est-à-dire l'inflation phénoménale des actifs qui a conduit le PIB à augmenter de manière artificielle. Parce que quand le prix de l'immobilier explose, eh bien, les crédits immobiliers explosent tout autant. Vous n'avez pas plus de mètres carrés à vendre, mais vous faites deux fois plus de crédits. Et c'est compté au nominal dans le PIB. Quand la valeur des actions double, parce qu'aujourd'hui, je crée le site mon cul sur commode.com et tout le monde se précipite pour me prêter 2 milliards. Enfin, je veux dire, quand Macron dit on va faire des licornes à 1 milliard, ouais, rien de plus facile à faire que des licornes à 1 milliard. N'importe quelle connerie.com, je vous fais une licorne à 1 milliard. C'est juste pas le sujet. Euh, donc, il s'est attaqué au sujet facile. Le sujet difficile, c'est ça. Ça, c'est un sujet difficile. Euh, pff, licorne à 1 milliard, on s'en fout. Je veux dire, je vois pas en quoi ça va permettre de faire pleuvoir, enfin, sauf, sauf erreur de ma part. Donc euh, ce que vous voyez là, c'est le drame des négociations climat. Et en fait, j'ai un ami qui s'appelle Brice Lalonde, qui, est un, qui a été ministre de l'Environnement en France et qui a été le Sherpa de Mitterrand en 1992 au sommet de la Terre à Rio. Il était ministre de l'Environnement dans le gouvernement à cette époque-là. C'est très intéressant. Euh, et euh, il y a tout, tout vu depuis. Et il m'a dit un jour, euh, le drame des négociations climat, c'est que depuis qu'elles existent, les pays en développement viennent en pensant qu'on va parler de développement, les pays développés viennent en pensant qu'on va parler de climat, et c'est les premiers qui gagnent. Et donc, on a ça qui continue à aller vers le haut et la droite. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors, mon système, euh, il peut avoir d'autres facteurs limitants. Donc, il peut avoir l'énergie fossile comme facteur limitant, enfin l'énergie, et à ce moment ça baisse la production, ou il peut avoir euh, les ressources qui sont limitées, et à ce moment, ça baisse aussi la production. Alors je vous le disais, ça sera de gré ou de force. Alors, qui dans cette salle a déjà vu ce document Ah, quand même. Ouf, on n'est pas l'ensemble vide. Vous, tous les autres, vous auriez dû le lire. Beaucoup plus important que de lire toutes les analyses financières de je ne sais pas qui sur je ne sais pas quoi. Ce document vous dit une chose. Il vous dit la production mondiale de pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui ne vient pas du shale oil, le, le pétrole de schiste américain, et des sables bitumineux au Canada est passé par un maximum absolu en 2008 et diminue depuis. Qui avait entendu cette conclusion? Vous êtes déjà un peu plus nombreux. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui a mis 10 ans à cracher le morceau. Alors, il se trouve que par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie, son analyste pétrole, je le connais bien, parce que il est en train de bosser pour The Chief Project en ce moment. The Chief Project est en train de bosser en ce moment sur une base statistique de la totalité des gisements pétroliers dans le monde. C'est un truc qui normalement vaut plusieurs millions de dollars par an. Nous, on n'a des... pas ces moyens-là, donc on l'a eu pour beaucoup moins cher. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans cette salle qui ait eu accès à cette donnée-là, sauf éventuellement quelqu'un qui travaille dans un établissement financier très riche. Et qui investit essentiellement dans le secteur oil and gas. Donc, s'il y en a un dans cette salle qui correspond à cette définition, lui, il se paye peut-être cet abonnement. Tous les autres, vous n'y avez pas accès. D'accord Eh bien, euh, on est en train d'analyser euh, ce, ce, cette base de données avec l'aide notamment de cet homme qui travaillait à l'AIE. Donc, je peux vous dire, cette affirmation-là de l'AIE, il faut la regarder de très près parce que celle-là est vraie. D'accord Ils ont raconté des tas de conneries sur l'avenir, mais celle-là est vraie. Alors, pourquoi je vous parle du pétrole maintenant Parce qu'il se trouve que le premier facteur limitant au sein de toutes les énergies que nous utilisons, c'est le pétrole. Ici, vous avez une courbe que j'ai faite par hasard en faisant des tests. Et de temps en temps, je fais des régressions comme ça pour boire la gueule que ça a. Et puis, une fois que ça a une gueule qui m'intéresse, à ce moment, j'essaye de voir si je peux expliquer pourquoi. Donc, il y a 10 ans, ou peut-être même 15 ans, j'ai commencé à faire ça. C'est-à-dire que j'ai regardé comment variait, respectivement, la quantité de pétrole qu'on fait sortir de terre. Donc, ça, ce n'est pas le prix, hein. c'est la quantité qui sort de terre. Vous verrez qu'il n'y a pas de lien avec le prix derrière. Et le PIB par personne dans le monde. Et alors, ce que vous voyez, c'est que depuis la fin des chocs pétroliers, où on a beaucoup mieux ajuster ces deux courbes, ce qui est une manière de dire qu'on a gratté tout le superflu. Il reste l'essentiel, c'est-à-dire l'énergie de la mondialisation. Et depuis cette époque-là, vous avez une covariation absolument parfaite entre le PIB par personne et la quantité de pétrole qui sort dans le monde. Et quand vous avez un décalage temporel, c'est le pétrole qui précède le PIB. Donc vous n'avez pas la croissance économique qui vient de Mars et du coup on a plus d'argent et on achète plus de pétrole. C'est parce qu'on a plus de croquettes pour machine que nous avons plus de PIB parce que nous avons plus de croquettes pour machines, nous avons plus de PIB. Donc le meilleur indicateur avancé de ce que sera l'économie de demain, ce n'est pas les analystes qui sont faites par les macroéconomistes ou je ne sais pas quoi, c'est la quantité de pétrole qui sort du sol. Or, depuis le Covid, il ne vous aura pas échappé que la quantité de pétrole qui sort du sol a beaucoup baissé. Donc je peux vous dire que l'économie mondiale va être beaucoup déprimée pour un moment. D'accord et là, c'est pareil. S'il y a des gens audacieux prêts à parier, on va chez le notaire, etc. Enfin, on peut faire toute une série de paris chez le maître notaire. Je suis sûr. Alors, il n'y a pas de lien entre le prix et le volume de pétrole. Et euh, voici un petit graphique. Je suis sûr que dans, vous avez tous entendu parler des élasticités prix-volume, d'accord Vous savez, l'élasticité prix-volume, c'est je regarde la quantité de ce qui est vendu sur un marché, et puis si l'offre augmente, le prix baisse. Vous avez tous entendu parler de ça. Bon. Alors, ça doit être vrai pour le pétrole. S'il y en a plein, le prix baisse. S'il n'y en a pas assez, le prix monte. Alors ici, j'ai essayé de faire aussi un petit test très simple. J'ai regardé depuis 1920, pour chaque année, combien valait la quantité de pétrole offerte sur le marché, qui est achetée en totalité, hein, qui est vendue, parce que les stocks terrestres sont infinitésimaux, et à combien était le baril. Et alors si on a une élasticité, euh, en gros, les points, devraient être organisés sur un truc qui ressemble à ça. Bon, en fait, pas du tout. Si j'essaye de théoriser cette courbe, je dis, il y a deux régimes inélastiques. Orthogonaux l'un à l'autre, un régime dans lequel, quelle que soit la quantité, le prix est le même, puis un régime dans lequel, quel que soit le prix, euh, pardon, euh, pour, une, pour, un, pour une quantité fixe, le prix est indifférent, et on est reparti, et on est reparti. Donc en fait, il n'y a zéro élasticité prix-volume sur le pétrole, zéro. Et la conclusion de ce graphique, c'est que si on a un défaut de pétrole, vous ne le verrez pas arriver par une explosion indéfinie des prix. Parce que, comme c'est un facteur de production essentiel à l'économie mondiale, si vous n'en avez pas assez, effectivement, dans un premier temps, le prix explose. Mais si vous n'en avez pas assez, Iron Man commence à souffrir. La production baisse. À ce moment, la solvabilité des consommateurs baisse. Et à ce moment, la solvabilité des consommateurs se réajuste sur une offre qui a baissé. Et le prix s'arrête d'augmenter. Donc, la, le, le prix du pétrole post-pic ne sera pas une hausse indéfinie du prix du pétrole. D'accord Ça va compacter le PIB, ça ne va pas faire exploser indéfiniment le prix du pétrole. Ça peut vous paraître paradoxal, mais euh, c'est absolument évident. Voilà, j'arrive à la conclusion de cette partie euh, introductive. Euh, si, si, c'est une partie introductive. Euh, L'humanité est maintenant, depuis 10 ou 20 ans, je, 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 au début je disais aujourd'hui, en fait non, on est, on est déjà beyond, hein, ça, on a passé ce point-là, à une forme de croisée des chemins dans laquelle on, peut, euh, on, est, on est coincé. Alors j'aime bien la théorie du donut euh, que j'ai entendue ce matin à l'EPFL, où on est coincé entre euh, un plafond et un plancher. Le plafond, c'est les limites planétaires. Il faut pas dépasser, parce que sinon le système se régule de lui-même et c'est désagréable, parce que les régulations spontanées du système c'est des baisses rapides de la population et des baisses rapides de son espérance de vie. Voilà, c'est comme ça que le système se régule hein, sur les populations animales. Donc on sera moins nombreux et plus pauvres, mais vite et de manière peu sympathique, on sera aussi beaucoup moins libre, parce que dans ce genre de régulation, les systèmes libres et ouverts sautent tous. Hein. Euh, et euh, inversement, si on essaye d'agir trop vite pour aller vers quelque chose, entre guillemets, de durable, à ce moment, on enfonce le plancher de la résistance sociale, c'est-à-dire que les gens à qui on demande des efforts, on leur demande des efforts au-delà de leur seuil, j'ai envie de dire, de, de, de résistance, et à ce moment, le système craque par l'autre bout. Donc, ou bien, alors pour prendre cet, cet exemple appliqué au climat, ou bien on laisse les émissions dérivées parce qu'on se dit socialement, c'est impossible de contraindre les financiers euh, à gagner moins d'argent, c'est juste impossible. Euh, donc à ce moment, euh, on, on signe pour une régulation environnementale accrue, c'est-à-dire que c'est le système qui nous imposera ses limites. Ou bien euh, on se dit non, non, euh, on veut essayer de durer encore un certain temps, Je, du reste on peut se poser la question de savoir combien de temps. Et à ce moment, c'est euh, ceinturé régime tout de suite. Et à ce moment, évidemment, la question c'est comment est-ce qu'on organise euh, le moins pour tout le monde qui en découle. Voilà. Donc, on est coincé aujourd'hui entre ces deux objectifs-là. Et euh, évidemment, euh, les deux conclusions que je vous livre en sortie, si on veut partir avec des conclusions un peu opérationnelles, c'est que si vous voulez, euh, j'ai envie de dire, progresser dans la façon dont votre activité demain peut mieux prendre en compte ce que je vous ai raconté. Vous avez besoin de deux choses à minima, je dis bien deux choses à minima, donc je suis désolé, je vais faire de façon éhontée un plaidoyer pro-domo, mais il se trouve que je fais le métier que je fais aujourd'hui parce que j'avais compris ce problème. C'est pas dans l'autre sens que ça s'est passé. Hein. Euh, il faut absolument que tous les gens qui travaillent chez vous comprennent le problème à traiter, donc vous avez un énorme problème de formation. Euh, et toute société qui se dit sérieuse sur cette question, pour moi, elle n'est pas sérieuse tant qu'elle n'a pas obligé ses cadres à passer par 20 heures de cours. D'accord si vous ne passez pas par 20 heures de cours pour faire tous les gros bonne que vous voulez, pour moi, juste, on continue à bricoler. On est, on est dans le bricolage parce que le non-bricolage, c'est de comprendre le problème à traiter. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une comptabilité monétaire exhaustive. Tout y passe, des achats de stylos jusqu'aux positions sur le marché, Et si vous voulez savoir si à la fin de l'année vous vous portez mieux ou moins bien sur le plan monétaire, vous n'allez pas commencer à dire alors je prends juste que les trucs qui sont débouclés à mon avantage, les trucs qui sont débouclés à mon désavantage, je vais les laisser de côté. Euh, et puis du reste, quand je me déplace, je ne compte que le verre au bar et puis le billet d'avion, je n'en tiens pas compte, Vous tenez compte de tout. Et c'est en tenant compte de tout que vous regardez si globalement vous évoluez dans le bon ou dans le mauvais sens au regard de cet indicateur. Vous êtes obligé de faire la même chose pour le carbone si vous voulez savoir où vous allez. Donc vous ne pouvez pas vous contenter, c'était là où je voulais en venir, et pourtant c'est mon métier de faire des analyses d'impact sur les green bonds. Donc je, bon voilà, je suis très content qu'il y ait des green bonds, mais ce n'est pas le sujet. Face au problème que je viens d'évoquer, il ne faut pas faire un green bond, il faut griner tous les bonds. Et pour greener tous les bonds, il faut passer tous les bonds à la moulinette de la comptabilité carbone. C'est exactement ce qu'on essaye de faire chez Carbon 4, mais c'est ça qu'il faut faire. L'autre jour, il y avait BNP Paribas là, qui a fait un post sur LinkedIn en disant taratata, on a financé des panneaux solaires en Belgique. Bon, alors outre le fait qu'on euh, est dans l'épaisseur du trait, euh, j'ai posé la question en disant non mais ce n'est pas ça le sujet, c'est est-ce que BNP Paribas est en train de se mettre en ligne avec une baisse de 4% des émissions par an Puisque je vous ai montré tout à l'heure que c'est ça qu'il faut faire pour tenir les deux degrés. Donc est-ce que l'empreinte carbone de la totalité des engagements de BNP Paribas, vous vous mettez en mesure... D'y dépenser les quelques dizaines de millions de dollars que vous devez dépenser tous les ans pour comprendre quelle est cette empreinte carbone. Et vous lâchez beaucoup plus d'argent que ça à des tas d'autres gens euh, pour faire des tas d'autres trucs. Je sais très bien que le monde bancaire et financier est le premier consommateur des SS2I dans le monde, hein, euh, d'IT. Donc euh, vous êtes un très très gros consommateur d'IT. Euh, ça vous coûterait 1% de votre budget IT d'y voir clair sur le carbone. Donc euh, aujourd'hui, les gens qui ne font pas ça, ils ne sont juste pas sérieux. Quoi. Voilà, ça le, le... Donc la deuxième chose à faire, c'est d'avoir une comptabilité physique qui vous permet de savoir à quelle distance vous êtes du problème. Et tant qu'on ne fait pas ça, je considère qu'on n'est pas sérieux. Alors les deux positions que je viens de vous exprimer, euh, je les ai publiées dans une petite tribune, sur un petit site modeste qui s'appelle Responsible Investor, euh, il y a un an. Je, je traînais, donc je vous dis publiquement ce que je dis à tout le monde. Euh, J'espère je, être utile en vous bousculant un peu. Mais à l'évidence, le début d'être sérieux dans cette histoire passe par les deux étapes que je viens d'évoquer. Toute personne qui me dit je fais trois green bonds, j'ai arrangé une éolienne, etc., mais je ne fais pas les deux trucs que je viens d'évoquer, en fait, c'est juste pas sérieux. Voilà. Voilà. Et comme mon train est demain matin, maintenant, et toute la nuit pour les questions. Euh, je ne sais pas comment ça marche. Il faut passer un, ah y a un micro. Ouais. Qui... Ouais. Exactement. Alors la session des questions réponses est ouverte, donc vous pouvez euh, ben, sans autre lever le bras comme ça je peux vous voir et puis euh, je me dirige vers vous pour vous euh, pour vous tendre le micro et puis écouter vos questions. La première dans était là-bas, je crois. Oui, dans le fond. <laughs> oui, bonjour. Euh, vous avez évoqué la, la piste de l'hydrogène. Et qui fait partie des grandes décisions qui sont prises par, par deux grands pays en Europe. Euh, il y a des décisions d'investissement de plusieurs milliards qui sont faites sur ce secteur. Vu depuis l'extérieur, euh, de, avec un regard externe sur ces questions-là, on a l'impression que cette filière, elle était un peu laissée de côté par rapport à, au, à tous les enjeux pour aller chercher de l'énergie un peu partout sur la planète. On a l'impression que c'est une voie qui peut être intéressante, qu'on l'a laissée de côté. Et puis. Tout d'un coup, on la sort comme ça du chapeau. Alors, j'ai deux questions. C'est pour quelle raison on n'a pas traité, on ne s'est pas intéressé à cette filière, autant que la filière bois, que la filière photovoltaïque ou éolienne Et quel est votre pari dans les dix prochaines années sur la proportion de ce vecteur énergétique après les investissements qui seront faits par les grands pays européens La réponse à la deuxième question, c'est Epsilon. Euh, et euh, ça a un lien avec la réponse à la première question, qui est l'hydrogène. On le connaît depuis très très longtemps. C'est pas un truc. L'hydrogène est un truc qu'on ne trouve pas dans la nature. Et la seule hydrogène que vous trouvez dans la nature est sous forme liée. Donc vous avez de l'hydrogène dans l'eau. Sauf que pour casser l'énergie de liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, il faut dépenser plein d'énergie, et il faut en dépenser plus que l'énergie que vous récupérez en utilisant l'hydrogène derrière. Donc en fait, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. Le soleil, c'est une source d'énergie parce que vous avez une réaction nucléaire permanente dans le Soleil qui amène de l'énergie dans le système. Les combustibles fossiles, c'est une source d'énergie. En fait, c'est de l'énergie nucléaire ancienne, puisque c'est de l'énergie solaire ancienne, euh, qui s'est concentrée dans des petites poches souterraines. Euh, et aujourd'hui, on peut extraire ça de l'environnement avec euh, moins d'énergie pour l'extraire que l'énergie que ça va fournir. L'hydrogène, vous ne pouvez pas l'extraire de l'environnement avec moins d'énergie pour l'extraire que ce que ça va fournir. Vous êtes obligé de mettre plus d'énergie pour l'extraire que ce que ça va fournir. Donc, ce n'est pas une source d'énergie. C'est éventuellement une manière de l'utiliser mais vous avez besoin d'une autre source d'énergie. Alors aujourd'hui l'hydrogène, il est produit en quantité significative parce que c'est une matière première pour la chimie des engrais. En fait, l'hydrogène est une matière première pour faire de l'ammoniac. Pour faire de l'ammoniac, formule NH3, vous avez besoin d'azote, ça c'est facile, on le prend dans l'air et vous avez besoin d'hydrogène. Alors cet hydrogène, il est produit d'une façon très simple. On prend du méthane, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, CH4, gaz naturel, on le mélange avec de l'eau, H2O, donc tout ça est plein d'hydrogène, l'hydrogène de l'eau, l'hydrogène du méthane, on chauffe l'ensemble très fort avec du gaz, et à ce moment, vous avez l'hydrogène qui se sépare à la fois du carbone du méthane et de l'oxygène de l'eau, et le carbone du méthane et l'oxygène de l'eau s'associent pour faire du CO2. Donc aujourd'hui, produire de l'hydrogène, il n'y a aucun problème. Air liquide vous fait ça partout. Et les grandes applications, comme je le disais, c'est la production de l'ammoniac pour la chimie des engrais. Et la deuxième grande application, c'est la désulfuration des carburants. Donc vous avez des unités de production d'hydrogène dans toutes les raffineries euh, pour faire des carburants qui ne contiennent pas de soufre. Euh, donc l'hydrogène, ça fait très très longtemps qu'on connaît. Euh, on connaît. On sait également depuis très longtemps que c'est le gaz qui est le moins dense énergétiquement par unité de volume. D'accord Or, on sait aussi depuis très longtemps, à cause de M. Mariotte et de sa loi éponyme, que la dépense énergétique liée au transport d'un gaz est indépendante de la nature du gaz. Donc si vous prenez le gaz qui a la plus faible densité énergétique par unité de volume, c'est là que vous allez avoir les pertes énergétiques les plus importantes liées à son transport et son stockage. Dernier point, l'hydrogène est une toute petite molécule. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les réseaux existants de gaz pour transporter de l'hydrogène, parce que sinon, l'hydrogène va se coller dans les microfissures de l'acier et fragilise le réseau. Dans le réseau français de distribution de gaz, par exemple, euh, basse, basse pression, hein, celui qui arrive chez vous, euh, eh bien on peut mettre 6 d'hydrogène dans le gaz et pas plus, parce que sinon, le réseau casse. Donc, vous êtes obligé de refaire des unités, des infrastructures de transport dédiées. Et puis pour le produire de manière propre, alors j'ai fait un tout petit calcul, euh, j'ai imaginé qu'on produisait de manière propre, c'est-à-dire avec de l'éolien, de l'électrolyse et du stockage, tout ça n'est pas propre mais ce n'est pas grave, c'est quand même propre, euh, l'hydrogène le, le, nécessaire au transport français. En France, on consomme 40 millions de tonnes, je pourrais refaire l'exercice avec la Suisse, ça serait tout aussi démesuré. En France, on, transporte, on utilise 40 millions de tonnes de pétrole par an dans les transports. Pour produire la même quantité d'énergie en hydrogène pour alimenter les transports terrestres, en tenant compte du fait que les piles à combustible sont plus efficaces que les moteurs à combustion interne, hein, j'ai tenu compte de ça, eh bien il faudrait qu'on double la production d'électricité française pour électrolyser de l'eau, pour faire de l'hydrogène. Et si euh, on ne met que des éoliennes pour ça, puisque le nucléaire c'est cacaberque et le reste c'est cacaberque, eh bien il faudrait qu'en France, on installe une fois et demie le parc, le parc éolien qu'on a actuellement en Europe. Ou il faudrait qu'on multiplie le parc français euh, par, euh, que je dise pas de conneries, euh, 15. En 10 ans, n'importe quoi au surplus dans un pays qui va rentrer en récession structurelle. Parce que je vous rappelle tout à l'heure qu'à cause de la décrue sur le pétrole, le paysage économique à partir de maintenant, c'est que en gros, l'évolution structurelle dans les pays de l'OCDE, ça va être la contraction économique, donc la décroissance, pour appeler un chat un chat. Donc on ne va pas avoir et l'argent pour euh, payer ma maison de retraite et la vôtre, et l'argent pour payer l'hôpital, et l'argent pour payer, euh, je ne sais pas quoi, euh, les smartphones, et l'argent pour faire la 5G, et l'argent pour faire l'hydrogène, et on n'aura pas. Et, 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 et c'est fini ça ça, c'est en période de croissance. En période de non-croissance ou de contraction, si vous faites A, vous ne faites pas B, et vous faites même pas un bout de C que vous faisiez avant. Donc, euh, l'hydrogène, il y a un cas de figure où ça sert à quelque chose un sol. C'est si on le fait par électrolyse avec une source bas-carbone euh, pilotable de base, donc j'ai nommé le nucléaire, et si on s'en sert pour faire euh, de la réduction du minerai de fer. Ou de l'ammoniac pour faire les engrais. Voilà. Donc il y a deux applications intéressantes de l'hydrogène qui sont pas du tout celles que l'Europe va financer parce que le nucléaire c'est gakaberck, euh, qui sont euh, le nucléaire à partir de pardon l'hydrogène à partir de nucléaire pour faire soit de l'acier en, en réduisant le minerai de fer, soit des engrais. Voilà. Ça c'est les deux trucs intéressants. Dans la mobilité, on oublie, on passe les gens de la voiture au vélo, c'est beaucoup plus simple. Au vélo électrique. Toutes les bagnoles que je vois dans Genève, là, il y en a 80 que je peux remplacer par des vélos électriques, sans aucun problème. Pour moins de 20 bornes par jour, et... aucun problème. Il y a une seconde question Il y a une question, là, oui. Merci. J'aurais voulu revenir sur vos, sur vos courbes corrélées entre le PIB et le volume de pétrole extrait. Oui. Est-ce que vous sous-entendez par là que c'est l'OPEP et quelques autres qui ont dicté et qui le feront encore un petit moment la, le PIB mondial, la croissance et accessoirement ben, mon augmentation de salaire à la fin de l'année On parle de cette courbe-là. C'est exact, oui. Euh, oui et non. L'OPEP est un cartel de producteurs. Qui a été créé dans les années 70, si ma mémoire est bonne, ou avant, je sais plus, j'ai un trop de mémoire tout d'un coup, peut-être plus je plus, euh, et qui avait pour but de protéger le prix du baril, enfin, ou de garantir le prix du baril, donc c'est un cartel qui est destiné à garantir les prix, parce que comme le pétrole est une, est une euh, industrie extrêmement capitalistique, comme toutes les industries très capitalistiques, c'est des industries qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur leurs revenus. Et en général, aussi, c'est des industries qui ont des profits élevés, comme le, la pharmacie ou etc. Voilà. Euh, le, du reste, on le voit sur la courbe d'après. Euh, vous voyez, euh, le, ça, ça c'est l'OPEP. En fait, l'OPEP a garanti la stabilité des prix jusqu'au choc pétrolier. Depuis les chocs pétroliers, l'OPEP contrôle beaucoup moins la situation. Euh, et depuis l'avènement du Shell Oil, euh, il la contrôle plus du tout au niveau des prix parce que, en fait, euh, l'ajustement marginal se fait par le Shell Oil qui est beaucoup plus réactif. Je creuse un trou, j'ai tout de suite le pétrole euh, que euh, par, les, par les puits de l'OPEP. Alors, est-ce que l'OPEP avait conscience du fait que euh, le, les pays de l'OPEP ont conscience du fait que le volume de pétrole, c'est le PIB mondial Ça, je ne sais pas. Euh, parce ils, ils agissaient concrètement sur les sur les volumes pour gérer les. Oui, parce qu'ils agissaient sur les volumes pour gérer les prix. En fait, ils n'agissent pas sur les volumes pour gérer le PIB. Ils agissent sur les on volumes le volume les... corrélé au PIB pour le coup. Donc, euh, oui, mais ça, c'était ouais. pas ça qu'ils avaient en tête. Ce qu'ils avaient en tête, c'était ça, c'est-à-dire le fait que l'élasticité le, 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 de court terme, elle, elle existe, et qu'à partir du moment où ils pilotent le volume à court terme, ils pilotent le, le prix à court terme. Voilà, c'était plutôt ça qu'ils avaient en tête. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, alors aujourd'hui, par contre, il euh, y a un nombre croissant de gens qui ont parfaitement conscience du fait que euh, l'énergie en volume, elle conditionne le PIB en volume. Euh, mais ça n'a jamais été théorisé comme tel, euh, j'ai envie de dire, dans un modèle économique. Aucun modèle économique, à ma connaissance, n'a un PIB endogène, c'est-à-dire un PIB créé par le modèle... En fait, tous les modèles macroéconomiques ont un PIB exogène. C'est ça qu'il faut savoir. Dit autrement, le PIB est une, est une hypothèse d'entrée, mais qui est modulée par d'autres hypothèses d'entrée et qui vous est recrachée, modifié à la fin. Donc, en d'autres termes, tous les modèles macroéconomiques, c'est je suppose que j'ai 2% de croissance par an. En fait, c'est jamais une prévision. C'est une, une hypothèse au départ. Et puis, si j'investis un peu plus, que j'augmente un peu les charges sociales, que je les baisse un peu, etc. En fait, c'est pas 2, c'est 1,8 ou c'est euh, 2,3. Mais... Vous avez toujours en entrée en fait un PIB qui vous est, euh, dont l'évolution est une est une hypothèse. C'est ça qu'il faut savoir. Donc l'OPEP n'a jamais, n a, n a, à ma connaissance, euh, n'a jamais cherché à contrôler le, le PIB mondial à travers son action. Ils ont toujours cherché à contrôler leurs recettes à eux, euh, c'est-à-dire le prix du pétrole. Merci. Il oui, faut pas que les gens meurent avant de sortir de cette salle, c'est rien même dommage. Voilà. Je, euh, il me semble qu'en France, vous êtes en train de construire, euh, c'est les EPR, ces oui. futures centrales nucléaires à fission nucléaire. Enfin, est-ce est que c'est pas ça le, la solution, la fission, pour créer plus d'énergie, l'énergie finalement qui, qui, qui est naturelle? Alors. Est-ce que ce ne serait pas la solution Parce que moi, je suis, je, suis, je suis comme vous. Je pense que le nucléaire est une solution, contrairement à ce que les politiciens et les écologistes pensent. Bien sûr, ça produit des déchets, mais la conséquence par rapport à ce que vous avez dit et l'utilisation du pétrole est quand même différente. Donc, est-ce que c'est pas là la solution le nucléaire aujourd'hui fait de l'or, fait un gros 10% de l'électricité mondiale. Euh, le charbon fait aujourd'hui 40% de l'électricité mondiale. Alors, moi, il y a une application du nucléaire qui m'intéresse, et une seule, c'est de contribuer à tuer les 40% de charbon. Ça ne m'intéresse pas de rajouter du nucléaire en plus des centrales à charbon existantes parce que ça, ça ne rendra pas la vie plus douce à mes enfants. Ils se prendront de la même manière les migrations d'Afrique, les maladies, les forêts qui crament, etc. Ça ne changera rien. Donc si on veut que ça, ça change un peu, ce qu'il faut, c'est remplacer le charbon par du nucléaire. Soit dit en passant, l'Allemagne est en train de faire l'exact inverse. Et la Suisse est en train de lui emboîter le pas sans avoir de centrale à charbon, mais enfin est en train d'abandonner, de, de lâcher la proie pour l'ombre. Euh, si j'étais vous, moi, j'aurais plus peur d'habiter à l'aval du barrage de la Grande-Dixence que près d'une centrale nucléaire. Euh, les accidents de barrage dans le monde ont fait beaucoup plus de morts que les accidents de centrales nucléaires. Euh, le... Donc le, le nucléaire, est-ce que c'est une solution Alors, ce n'est pas une solution. Je vais vous donner ma réponse. Ma réponse, c'est que moins j'en fais pour remplacer du charbon, et plus j'augmente la douleur à laquelle je devrais faire face. La douleur globale à laquelle je devrais faire face. Mais il s'agit bien de remplacer du charbon. Il ne s'agit pas d'en faire en plus du charbon. Une fois que je vous ai dit ça, quel est le bon nucléaire qu'il faut faire Il faut faire un bon arbitrage des risques entre passer 15 ans à construire un réacteur comme on a fait en France, parce qu'on a voulu prendre ceinture et bretelle sur un modèle qu'on a co-conçu avec les Allemands. Le Père est un réacteur franco-allemand. Donc on a pris la ceinture française, les bretelles allemandes, on a multiplié ça par trois. On a fait un truc beaucoup trop compliqué à construire, et où euh, le, problème, le, le risque qu'on court en ne remplaçant pas suffisamment du charbon par du nucléaire, enfin en ne remplaçant pas suffisamment vite du charbon par du nucléaire, est plus important que le risque qu'on court, parce que le réacteur pourrait avoir une défaillance. En gros, est, on est dans un arbitrage des risques. Alors, il faut savoir que ces modèles de réacteurs, il y en a deux aujourd'hui qui sont open running en Chine. Absolument. Donc la presse française n'en parle pas parce que la presse française est globalement antinucléaire, parce que quand on est écolo, on est antinucléaire et quand vous êtes journaliste environnement, vous êtes écolo parce que sinon vous n'êtes pas journaliste environnement. Donc vous êtes journaliste environnement, donc vous êtes écolo. Comme les écolos sont antinucléaires, vous êtes antinucléaire. Fin du raisonnement. Euh, C'est en train de changer un peu en ce moment, mais bon. On rame. Euh, en fait, le, 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 donc il y en a deux open running euh, qui ont commencé à être construits après le PR de Flamanville, celui sur lequel nous, on patauge en France, et qui ont été... Pardon et qui vous une fortune, hein. Aussi, je viendrai après. Euh, et euh, qui euh, sont terminés et fonctionnent actuellement à pleine puissance depuis euh, six mois ou un an euh, à peu près. Euh, donc, dans le nucléaire, il y a deux sujets qui sont un peu différents. Il y a, euh, enfin, en tout cas, vu de France, euh, il y a euh, la filière française et puis il y a le nucléaire au sens large. D'accord, La filière française n'est pas représentative du nucléaire au sens large. Les Coréens ont construit euh, quatre réacteurs un peu moins puissants que le l'EPR, mais pas beaucoup, euh, aux Émirats arabes unis, qui sont en train de rentrer en service là. Et ils sont aussi commencé à être construits avant, euh, après l'EPR de Flamanville et ils seront terminés à 6 milliards de dollars pièces. Alors que nous, à 12 milliards d'euros, on n'a toujours pas terminé. Bon. Donc, il euh, y a un sujet français euh, sur le nucléaire, et ça va me permettre de, de parler après d'une des conditions limites du nucléaire. Si on fait un calcul d'investissement. Alors, le nucléaire, pour moi, il est à opposer, non pas au charbon, parce que pour moi, l'équation est évidente. Le nucléaire, c'est vachement mieux que le charbon. Juste, pas photo là-dessus. Le charbon, il faut quand même savoir qu'il tue l'équivalent de la ville de Genève chaque année dans le monde en maladie professionnelle des mineurs. Je ne parle même pas de la pollution urbaine. Il y a 10 millions de mineurs de charbon dans le monde, dont une bonne partie dans les mines artisanales de Chine. Eh bien, vous avez 300 à 400 000 de ces mineurs ou anciens mineurs qui meurent chaque année dans le monde des maladies pulmonaires qu'ils ont contractées en se foutant de la poussière à qui mieux mieux dans les poumons pendant qu'ils faisaient des trous dans la mine. Hein Donc l'équivalent de la ville de Genève, tous les ans. Le nucléaire ne fait pas ça à ma connaissance. Donc il le... n'y Donc, a pas photo pour moi sur le fait que c'est beaucoup mieux. Euh, par contre, euh, la question c'est une fois que j'ai dit qu'on se débarrassait du charbon, vous avez un arbitrage à prendre entre l'éolien qui est vachement bien, euh, le photovoltaïque qui est vachement bien et le nucléaire qui est vachement mal. C'est ça, les... en fait, la vraie équation, elle est là. Et en fait, euh, la question c'est est-ce que vous voulez, euh, une fois que votre parachute dorsal ne marche plus, un parachute ventral parfumé à l'eau de rose qui fait 3 cm ou un parachute ventral qui pue mais qui fait 70 carrés Voilà, c'est ça la question. Et en fait, le nucléaire, c'est le parachute ventral qui pue, mais qui fait 70 mètres carrés. C est, c est, c est ça. Donc, dans un cas de figure, vous êtes sûr de mourir, parce qu'en en fait, vous avez un, un défaut complet de compréhension des ordres de grandeur qui vont permettre d'évacuer le problème. Alors que dans l'autre, vous prenez un risque mesuré, limité, de pouvoir régler une partie significative du problème. C'est ça. Mais vous allez pouvoir régler. Alors. Donc en fait, le, le, le compétiteur du nucléaire, euh, c'est euh, l'éolien et le solaire. Donc la bonne question, c'est si je veux me débarrasser du charbon, est-ce que je fais de l'éolien et du solaire ou est-ce que je fais du nucléaire Et ma réponse, c'est je mets beaucoup moins mes enfants dans une situation difficile si je fais du nucléaire. Ça peut vous paraître paradoxal, mais c'est ma conviction profonde. Le fait qu'aujourd'hui on se soit précipité sur l'éolien et le solaire pour faire de l'électricité bas carbone, c'est la meilleure démonstration du fait qu'on n'a rien compris au problème. C'est la meilleure démonstration du fait qu'on n'a rien compris au problème et rien compris à la hiérarchie des risques. Le, le fait que par ailleurs le solaire soit transitoirement moins cher que le nucléaire vient d'une comparaison de choux et de carottes. Euh, si vous avez un panneau solaire à l'heure à laquelle nous sommes maintenant, je vois à travers le rideau là-bas, il ne fait plus très, d'accord Eh bien, le vidéoprojecteur s'éteint, la lumière s'éteint, et si vous avez l'intention d'avoir un plat chaud au buffet derrière en sortant, il n'y a plus de plat chaud parce qu'il n'y a plus d'énergie pour chauffer le plat. Donc, quand on compare du solaire et du nucléaire, on compare des choux et des carottes, parce que dans un cas de figure, vous avez le kilowattheure qui est à votre disposition quand vous le souhaitez, et dans l'autre cas de figure, le train part à l'heure quand il y a du soleil et arrive à l'heure quand il y a du soleil. Et quand il n'y a pas de soleil, le train qui m'amène de Morge jusqu'à ici il circule pas. D'accord Donc en fait, il n'y a pas de soleil, pas de conférence, parce qu'il n'y a pas de conférencier. Vous en sauriez, votre morale s'en porterait peut-être mieux, mais il euh, faut, faut bien comprendre que c'est ça. Et si vous avez un problème au genou, pas de soleil, pas d'hôpital. D'accord Pas d'opération. Voilà. Comme il dit dans votre film, là, pas de bras, pas de chocolat. Donc là, c'est exactement pareil. Euh, pas de soleil, pas d'opération. Or, nous avons construit une société qui est totalement basée sur les horaires, ou si vous prenez rendez-vous avec votre chirurgien pendant trois mois parce que vous avez l'intention de vous faire remplacer une rotule, vous trouveriez ça un peu étonnant dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce n'était pas vrai il y a deux siècles, hein, que votre chirurgien vous dise ⁇ Ah, je suis désolé, il n'y a pas de soleil, donc l'opération, non ⁇ D'accord. Et en plus, vous n'auriez même pas les moyens d'aller jusqu'au chez le chirurgien, puisque vous auriez besoin de l'énergie solaire pour y aller. Bon, il n'y aurait pas de téléphone non plus pour vous prévenir, parce que pas d'énergie solaire. Bon. Donc, vous comprenez bien qu'un monde qui est totalement basé sur les horaires euh, ne peut pas fonctionner avec une énergie qui est disponible quand elle en a envie. Alors, vous allez me dire, il n'y a qu'à stocker. Alors, je vous dis, ah là, je suis d'accord. Mais à ce moment, il faut intégrer le coût du stockage dans le coût complet que vous comparez. Donc, moi, je veux bien qu'on compare le nucléaire avec un coût du solaire stocké restitué. Ça, je veux bien. Et à ce moment, il n'est plus du tout à 40 euros le mégawattheure. Je peux vous assurer que vous pouvez multiplier par beaucoup. Euh, et le coût du stockage, il est non linéaire en fonction de la quantité à stocker. -à le coût du stockage, le coût marginal du stockage augmente avec la quantité à stocker et non pas baisse. Bah Oui, parce qu'au début, vous mangez votre pain blanc. Euh, le premier, la première pompe à MoTeC que vous faites, vous savez où est MoTeC Qui sait où est MoTeC ah, quand même, il y en a au moins un qui est allé dans le Val d'Anivier. Devrait devriez y aller, c'est très joli. Euh, donc, la première, le premier, la première pompe de relèvement qui est à Motec et qui pompe l'eau de la Davisance, du reste un peu trop, du reste, parce qu'à Laval, il n'y a plus beaucoup d'eau, euh, vous permet de mettre l'eau dans le barrage de Moirie, ça marche bien. Mais vous ne pas une deuxième fois l'eau de la Davisance une fois que vous l'avez pompée une fois. Donc, le stockage au début, ça marche bien, puis ensuite, ça marche moins bien. Hein, et c'est exactement pas. Donc. Donc le coût marginal du stockage, quand vous allez devoir stocker des quantités massives, il va augmenter, il ne va pas du tout baisser, euh, contrairement à l'idée qu'on qu se fait. Donc euh, si vous regardez le coût complet du solaire plus stockage, vous êtes en dessous du coût complet. Euh, je ne vous parle pas des, coûts fina des frais financiers, hein, je vous parle du coût de construction d'un nucléaire, même cher. Il n'y a juste pas photo. Bon. Et en plus, on peut rendre le nucléaire moins cher avec des effets de série. Aujourd'hui, en France, on, on, on réapprend. C'est un first of a kind. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait de réacteur. En plus, on a, fait... on a géré notre filière à la petite semaine. Et c'est une des limites aussi au nucléaire, c'est que le nucléaire ne supporte pas le stop-and-go. C'est une filière de très long terme. Et aujourd'hui, les deux seuls pays qui sont performants dans le nucléaire, ou les trois pays qui sont performants dans le nucléaire, sont des pays qui ont une volonté constante de développer le nucléaire. Sur les 20 dernières années, j'ai nommé la Chine et la Russie. Donc il y a deux pays aujourd'hui qui sont bons dans le nucléaire parce qu'ils n'ont pas dit ah ben tiens aux prochaines élections quand même ça le ferait bien que je ferme Fessenheim donc je vais dire que c'est caca puis au truc d'après je dis non quand même j'ai besoin du nucléaire les mecs c'est vachement bien ce que vous faites puis au truc d'après je dis non quand même 50% nucléaire c'est vachement bien puis au truc d'après je dire non quand même les mecs n'importe quoi c'est juste c'est un peu comme si vous désiez à vos enfants le lundi c'est les filières scientifiques vachement bien le mardi c'est les filières littéraires le mercredi c'est scientifique le jeudi c'est artistique le vendredi c'est d'aller faire de la cuisine et on recommence la semaine d'après je veux dire, ça ne, ne, ne rime à rien. Euh, la probabilité que dans ce genre de contexte, vos enfants aient une éducation structurée est assez faible. Bon. Donc le nucléaire ne supporte pas euh, les atermoiements constants euh, et une absence de cadre structurant de long terme, et c'est exactement ça qu'on est en train de payer en France. C'est les conneries successives qu'on a faites, euh, depuis Jospin qui a vendu Superphénix pour gratter quelques. En gros, tout ça, c'est des versions successives de je vends mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est une version moderne de ça. Euh, le... Donc, le nucléaire a besoin d'un cadre structurant de long terme, c'est sa première limite, et il a besoin d'une présence limitée des gens dans cette salle. Parce que euh, si vous avez un coût de l'argent à 10%, ce que vont demander les gens dans cette salle, là, faites-moi du ROCE à 10%, à ce moment, votre mégawatt -heure vous coûte la peau des fesses. Si vous voulez qu'il vous coûte pas cher, il faut du capital garanti par l'État à 2%, hors risque de construction. Voilà, et à ce moment, ça vaut pas cher. Euh, à Inclay Point, le mégawatt -heure va sortir à 110 ou à 120 euros, avec le même coût de construction. J'ai fait les calculs, hein, parce que le WAC est à 10%. C'est très simple, le WAC est à 10%. Euh, donc, l'essentiel des 130 euros le mégawatt -heure que vont payer les Anglais, ça va payer des gens comme vous. Ça va payer les frais-filles. Le coût de construction stricto sensu et d'exploitation de, et de, euh, sur la durée, c'est entre 45 et 50 euros. Même avec un EPR qui coûte cher. Donc le nucléaire, il y a deux choses dont il n'a pas besoin. Je suis désolé de vous dire ça. C'est de financiers qui veulent 10% <laughs> et d'un cadre euh, Oui, oui j'insiste. Hein, euh, et d'un cadre public qui soit euh, bourré d'attermoiements. Ça, on est sûr que ça, c'est pas bon pour lui. Euh, à l'inverse, quand c'est une industrie dans laquelle c'est l'État qui investit pour pas cher, typiquement la Chine, et où vous n'avez pas d'attermoiement à ce moment, c'est donc les EPR chinois. Ils ont été terminés, sauf erreur de ma part, pour 6 milliards d'euros pièces. Terminé, il fonctionne en ce moment. Voilà, voilà donc c'est la réponse à votre question. Alors maintenant, dernier point, il faut impérativement, pour que le déploiement du nucléaire soit utile, que, un, on aille vite. Il y a 2200 gigawatts de centrales à charbon à tuer dans le monde dans les 30 ans qui viennent, 2200, alors que le parc nucléaire aujourd'hui, c'est 400 gigawatts. D'accord Donc on a besoin d'une montée en puissance très rapide. Mais par contre, chaque milliard de dollars investi dans la construction d'une centrale nucléaire qui remplace du, du charbon est beaucoup plus efficace pour décarboner l'économie qu'un milliard de dollars investi dans des éoliennes ou des panneaux solaires, plus le système qui ira à Laval pour supprimer du charbon. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, donc ça supprimera beaucoup plus d'incendies de forêt, de morts des coraux, de migrations et de misère. Voilà, donc c'est ça ma réponse. Les déchets, c'est un non sujet euh, technique, c'est un sujet psychologique. Euh, la totalité des déchets nucléaires euh, du parc français à haute durée de vie, enfin à longue durée de vie et à haute activité, tient dans cette pièce. Sur 40 ans d'exploitation, d'accord. Donc c'est bon, très bien. On le fout dans un trou et on les oublie, quoi. Enfin, je veux dire, même si ça pète dans le trou, on a fait péter des bombes atomiques à 500 mètres sous terre et c'est pas ressorti de terre. Donc, euh, je, je, là, Vraiment, le père de famille que je suis, euh, on met ça dans un trou à 500 mètres sous terre, ça me va bien. Je veux c'est tellement d'autres problèmes urgents à gérer que ça, c'est pas, vraiment pas mon, mon souci premier. Est-ce que la ah Chine a compris je, ça oui. Oui, est-ce que la Chine, puisque la Chine a, Alors, a construit deux EPR, euh, mais euh, productrice ou, ou disons consomme énormément de charbon, est-ce qu'ils ont compris les Ils ont dans leur plan. Pourquoi ils arrêtent Ils pas ont dans leur plan de long terme. Alors, ils ont dans ils leur sont... plan de long terme euh, de passer à une décarbonation de leur électricité pour moitié sur le nucléaire et pour moitié sur les ENR. C'est ça. Leur... Et dans les ENR, ils vont faire beaucoup de barrages qui sont des ENR qu'on peut aussi discuter. En fait, on peut discuter toutes les ENR. À partir du moment où elles deviennent massives, elles ont des inconvénients tout aussi massifs, euh, qui ne sont pas le problème de la source, mais qui sont le problème des nuisances. Euh, quand vous faites le barrage des Trois Gorges, vous évacuez un million de personnes, vous noyez euh, quelques centaines ou milliers de kilomètres carrés de terres arables, et il euh, n'y a plus de dauphins et tout un tas d'autres bestioles qui disparaissent du fleuve. Fallait le faire ou fallait pas le faire bon, voilà. Donc, euh, le plus grand lac de barrage au monde, il a la superficie d'un département français. Il fait 7000 km kilomètres carrés. Je ne sais pas combien fait l'état de Genève en superficie. C'est quoi la superficie de l'État de Genève Il y a quelqu'un qui sait ça Ah vous devriez avoir honte. Hein ah, je ne voudrais pas dire, mais euh, bon. Euh, on doit être à peu près dans les mêmes eaux. Donc euh, vous voyez, euh, pour mon avis, plus, plus petit. Euh, donc ça fait, quand même, ça fait quand même un paquet de, de surfaces euh, noyées. Euh, il y a eu beaucoup plus de morts à cause des barrages qu'à cause du nucléaire. Enfin bon, toutes les énergies renouvelables ont, des, ont, leurs, ont leurs inconvénients. Euh, mais la Chine, en tout cas, a un, un projet à long terme qui est de décarboner totalement son mix en s'appuyant sur le nucléaire et les ENR électriques. Alors la question, c'est à, à long terme. Parce qu'en en fait, la Chine est dans un combat ambivalent, il ne vous aura pas échappé, qui est à la fois une course à la puissance et une rivalité avec les États-Unis, et une conscience de la finitude du monde parce que c'est leur histoire millénaire, euh, parce qu'ils doivent nourrir 23% de la population mondiale avec 7% des terres arables, euh, parce qu'ils sont passés par des famines euh, et, des, et, des, et des luttes internes euh, dramatiques euh, à cause des problèmes de ressources, parce que c'est un pays qui a eu une ingénierie hydraulique extrêmement développée avec les rizières euh, dans les temps anciens et donc les flux physiques réels. Ils savent ce que ça veut dire depuis très très longtemps et les caprices de la nature, ils savent ce que ça veut dire depuis très très longtemps. Donc je pense que la Chine est un pays... Et par ailleurs, c'est un pays qui a une organisation centrale depuis longtemps. Donc, euh, c'est un pays d'ingénieurs ancestraux euh, qui, par ailleurs, est dans une course à la puissance avec les États-Unis, et donc ils sont coincés, à mon avis, entre deux injonctions contradictoires, qui est qu'ils ont parfaitement conscience du problème que je vous ai présenté. À mon avis, beaucoup plus que euh, le pouvoir central aux États-Unis. Remarquez, en ce moment, c'est pas dur. Euh, et euh, de l'autre côté, euh, donc une prise de conscience, et de l'autre côté, un, un problème de course à la puissance. Et je ne sais pas exactement où ils vont aller. Je ne sais pas s'ils le savent eux-mêmes, euh, mais, mais je pense que il le, le, y, y, y a des signes dans ce qu'on observe chez les Chinois euh, qui sont des signes montrant que ce truc-là a quand même été pour partie euh, compris. On peut conclure que finalement la démocratie est en train de tuer la planète et puis que finalement les vainqueurs ce sont euh, pas les démocrates. Euh, enfin, C'est ouais. pas du tout. Euh, C'est en, en, un peu triste parce non, que non, 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 mais en le pouvoir de... central est ouais. plus fort. En parce terme que, euh, on ne supériorité... discute pas et on va directement. Alors à en termes de supériorité des systèmes politiques assurant la longévité à long, ter à long terme euh, des États, vous avez probablement raison. Vous avez probablement raison. C'est un peu triste. Ça fait partie des mauvaises nouvelles du jour. Euh, alors après, euh, quelque chose qui est absolument évident, c'est que plus longtemps, on rechignera à faire de nous-mêmes des efforts modestes. Parce que pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, plutôt que de se déplacer dans le tank que j'ai vu garer devant l'hôtel euh, dans Genève, se déplacer en vélo électrique, c'est quand même un sacrifice extrêmement mesuré. Je veux dire, Genève n'est pas connue pour imposer 2000 mètres de dénivelé ou 4000 du reste euh, pour aller au boulot tous les matins. Euh, et quand on a un vélo à assistance électrique, c'est quand même vraiment pas la mer à boire. Euh, voilà, de temps en temps, il flotte, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la nature. Euh, à ce moment, on met une cape. Il y a trop de bagnoles, on réserve des... Enfin, je veux dire, c'est pas... Comparé à ce que j'ai raconté, c'est vraiment un sacrifice minime. C'est juste ridicule. Les bon. marchés, bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que plus longtemps on mettra... À consentir à des sacrifices minimes, et plus on signera pour des sacrifices majeurs, dont la liberté, la démocratie, etc. Alors une fois qu'on sera passé en dictature, là aussi l'histoire nous apprend, une partie des riches passe du côté du pouvoir et une autre se fait passer à la trappe. Euh, voilà, faut tomber du bon côté de la barrière à ce moment-là. Alors malheureusement, on m'informe qu'on va devoir conclure cette conférence, mais l'événement n'est pas terminé. Euh, Monsieur Jankovici euh, reste avec nous. Un apéritif dinatoire est servi dans les salons juste derrière vous. Donc, euh, l'occasion de, de continuer aussi euh, le débat et le partage sur, euh, sur ces sujets passionnants. En cadeau bonus, je laisserai euh, une copie de la présentation aux organisateurs euh, et vous pourrez la leur réclamer. Oui, exactement. Et pour rebondir là-dessus, si vous souhaitez revoir cette conférence, elle sera en replay disponible dès demain sur le site www.atlantiseries.ch. Vous pouvez avoir accès euh, librement dès demain. Une petite euh, information donc, euh, pratique, euh, juste rappeler les mesures sanitaires. Les, les déplacements dans les couloirs, euh, l'hôtel nous impose de porter le masque. Par contre, dans les salles de l'apéritif dînatoire, il n'y a pas de souci. Euh, vous, euh, vous pouvez respirer à plein poumon sans ceci. Merci à vous, merci à tous pour votre présence. Merci encore, monsieur Djokovici.